Poté, 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 la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. J'espère que vous êtes bien installés. Ce soir, ça va être hardcore. J'espère que vous êtes chaud. Vous êtes chaud, 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 chaud bouillant parce qu'aujourd'hui, je viens avec du lourd. Tous les pseudo prêtres, ben les amis, vous allez supporter ce qui va être dit parce que c'est bien fait pour vous. Euh, ce soir, j'ai une exclusivité, un frère qui, est, euh, qui vient de l'Angleterre, de Londres en particulier. Et j'ai le frère T-Boy, euh, j'espère qu'il m'entend. Frère T-Boy, est-ce que tu es déjà avec moi Oui, je, je t'entends parfaitement. par la famille, mon du Macassi, Brother Kalam, Excellent, excellent. Alors, je suis avec le frère Kalam L depuis euh, l'Angleterre, Londres. Mon frère, comme on dit chez moi, beauté, beauté, beauté. Nous sommes ici ce soir avec un bon frère de Londres, le frère Kalam L. Et comme on dit dans mon pays, on dit Mbote, 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 ce qui signifie que Mbali Makassi vous salue, mais en fait, il vous demande de le saluer de just en disant Mbote, Mbote. Mbote, Mbote, Mbote. Excellent. <laughs> excellent, 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 le frère. Bah, écoute, frère, je suis uh, très content, très content que tu aies accepté de venir du côté de la... Locodermi côté francophone pour nous parler un peu de ce que tu sais donc beaucoup il y a certainement beaucoup de gens qui te connaissent mais aussi un paquet d'autres frères par rapport à la barrière de la langue qui ne te connaissent pas donc si tu peux juste prendre 2 3 minutes pour te présenter vite fait et après on va commencer notre show brother Kalam what a real pleasure I'm very happy to have you on this platform and I'm very grateful that you have accepted uh, that uh, you come here and want to talk to us uh, now we know that we've got the barrier the language barrier which prevents us from getting to know each other but we're gonna go beyond that and uh, this is the opportunity for you to tell us who who you are excellent greetings greetings uh, peace to everybody who's tuned in right now peace to the family. Um, you know what? I would love to actually greet you guys in French and say bonjour. Um, you know, my mother itself, she's actually in the process of learning French and um, I've been told a few times by Brother Umboli, especially uh, sister bakuma mm -hmm. as well. and a few of my other French connections that you know France has or French language has you know, spans across the African countries. The African continent itself, with about 14 different countries speaking French, uh, Belgium speaking French, Canada speaking French. Um, other, the last few countries I've gone to, you know, they speak French, and I'm just completely amazed at the fact that there's so many French-speaking uh, individuals throughout the world. And I'm missing a trick, you know, I'm missing a trick. Even my mom herself, she says you know we uh, you know our background is creole so there is the mixture of english and french and african languages within our own personal language so i would really love to start learning the french language uh, and actually dialoguing with the french brothers and sisters out there as well um, for those of you guys who don't know me, uh, peace and greetings and blessings holds up to everybody out there. I am Callum. Um, I am a host on my personal channel, Titans TV, where we do discussions, interviews and debates um, in the conscious community for the conscious community. And we speak on all different types of topics from religion, politics, philosophy, science, history and culture. Um, you know, I'm a public figure as well. I do a lot of debates at Speakers Corner, and you know, I've been away for a little while because it's kind of crazy. As you can see, you know, Speakers Corner has to be one of the most dangerous environments um, for for freedom of speech or for public speaking. Um, you know, I debate a lot in terms of debating Muslims on religious topics, and there it gets a bit, you know, dicey. It gets a bit hot, um, and of course, you know, I. I talk. I talk a lot. My name is Kalam. It literally means speech. <laughs> <to talk. laughs> Ça va aller <laughs> achée, 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 achée. Donc, euh, salutations à vous la famille, donc paix à vous tous Alors, euh, j'aimerais vous-même vous saluer dans, en, en français, donc je vous dis bonjour Alors, en fait, euh, avant de commencer, j'aimerais vous dire que ma maman est en train d'apprendre le, le, le français et j'ai également le frère Mboli qui est venu sur cette chaîne, euh, qui essaye de m'aider euh, à parler français. J'ai même parlé à la sœur Bakuma également et euh, je suis vraiment fasciné par cette langue dans le sens où il faut s'imaginer qu'il y a 14 pays euh, en Afrique qui parlent le français. Euh, alors, euh, euh, il y a plusieurs pays que j'ai visités, et je sais que le français est parlé dans les pays comme euh, la Belgique, le Canada, et puis je me dis... Il y a un truc que je manque, il dit I'm missing a trick. Il se fait que moi j'ai dans mon background en fait, je parle le créole qui est en fait un mélange de cette langue que je parle plus, plus donc l'anglais. Alors il se trouve que moi j'ai vraiment envie d'apprendre cette langue. Alors du coup je me présente, je vous envoie toutes mes bénédictions. Donc il dit blessing, blessing, blessing. Mon nom c'est Kalam. Je suis quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Titans TV, donc t T-I-T-A-N-S-T-V, donc Titans TV, donc TV des Titans dans cette chaîne je fais des interviews je fais des débats pour la communauté consciente alors on parle de quoi on parle de religion on parle de politique on parle d'histoire on parle de philosophie on parle de culture et il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui parle énormément et ce que j'aime c'est faire des débats et je fais de, de, des débats à londres euh, dans à Hyde Park euh, et ça s'appelle speakers corner et alors euh, il se trouve que lorsqu'on fait des débats publics, c'est vraiment dangereux de parler en public parce que quand on fait des débats en public, ça peut être il dit « hot, dicey. Donc, ça peut être très très pointu, mais ça peut être également euh, dangereux, surtout lorsque on débat des musulmans. Donc voilà, je suis Kalam, j'adore parler et je suis ici. Otep, 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 mon frère. Effectivement, c'est comme ça que moi je suis. Euh, je t'ai connu si euh, à travers ces débats dans le parc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, le frère, enfin tous les frères Kemit qui argumentaient m'ont impressionné hein, parce qu'il n'y a pas que toi. Euh, j'ai dit waouh, c'est quand même. Euh, quand j'entendais les, les, les arguments, parce qu'en face quand même ils sont ils sont quand même assez durs, je voyais que ça se débrouillait bien. Et je dis non, faut que je faut que je rentre en contact avec avec les frères Kemit de Londres. Donc je suis très très heureux d'avoir établi cette connexion et puis j'espère qu'on aura euh, l'opportunité de travailler encore plus ensemble. Euh, voilà. So, so indeed indeed brother so uh, i can see that you are someone who loves to uh, debate and uh, in fact that's the way i got to know you because i was following some debates on the on, on the speaker's corner and what happened first was that i was so impressed that i say you know, I need to get to know this brother, and I'm happy that we were able to make the connection because I know that you are good at uh, talking. But on the opposite, on the opposition, they were also also tough, but you were able to handle it efficiently. So uh, I'm very happy that we were we were able to make this uh, connection. Bon, frère, on va attaquer. On a beaucoup de travail. On va parler. Uh... De la destruction des pseudo-cultes kémites, on va en parler, mais essayons d'abord de connaître, parce que ici, ça, pour les, les autres qui vont nous écouter, il faut que pour voir, pour voir la crédibilité, on a envie de voir ce qu'il y a sous le capot. Donc, frère, moi, ce que j'ai envie de savoir, avant tout, c'est comment tu es arrivé à la conscience, comment tu es arrivé au kémitisme, ce que nous appelons le kémitisme, comment tu es arrivé à ça So I know that tonight we're going to be talking about the destruction of the about uh, on the pseudo uh, comedic, uh culture or, 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 or way of being. But uh, uh, to be honest with you, this is something that we're going to be talking about. But before doing so, uh, I really want to know how you got to become a conscious person. Indeed, Whew. okay, this goes back a long time. Um, so my journey. I would say started as a young child, uh, 11 years old, roughly about 11 years old. Um, I loved reading a lot. Uh, I would be classified as a bibliophile, so I loved reading. Uh, the first book I ever read uh, properly, as for my own interest, um, had to be the Bible. It was a Jehovah's Witness Bible. And I absolutely loved reading it. Um, I loved reading the back of the Bible itself. It was filled with Greek and Hebrew. And I was always looking at the characters of the Greek, um, the characters of the Hebrew, and trying to write in the Greek and the Hebrew as a very young child. So that was my first introduction into um, learning, as, as to speak, by myself, like being educating my own self rather than going to school and being educated going back at home and giving homework to learn this was something that i found interesting myself and of course there was always uh, things via you know schooling and outside of schooling about egypt that piqued my interest um, but i would say roughly at the age of 16 years um, we had some Teachers come to the college and started talking a lot about you know black African consciousness started speaking on controversial topics and that really started me on my journey of being conscious and wanting to learn more and digging deeper. Haché, 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 Haché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a très, 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 très longtemps, en fait, c'est quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans, euh, déjà j'avais en moi cet euh, amour que j'avais de lire. J'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Et je me définis comme étant euh, un bibliophile, dans le sens que je suis quelqu'un qui lit énormément. Et mon histoire de la lecture commence lorsque je commence à lire la Bible. Et je ne vais pas lire n'importe quelle Bible, mais je vais lire la Bible, ou en tout cas la version des, des témoins de Jéhovah. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je vais lire euh, la Bible, mais je vais également lire la couverture qu'il y a derrière. Et non seulement je vais lire, mais je vais également essayer d'analyser les différents personnages. Je vais voir qu'on parle des Hébreux, on va parler des Grecs. Et moi, je m'intéresse tellement à cette histoire que je vais même commencer à apprendre à écrire dans ces langues-là. Et je suis quelqu'un qui n'attendait pas simplement d'apprendre ce qu'on me donnait à l'école, mais j'apprenais par moi-même. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, il y a l'école qui m'enseigne, mais également moi-même qui m'intéresse. Et je m'intéresse énormément à l'Égypte. Et donc, voilà. Et lorsque je vais avoir 16 ans, c'est à ce moment-là que certains professeurs vont venir visiter mon école et ces professeurs vont venir et parler de différents thèmes, vont parler de des sujets à controverse, ils vont parler de la conscience euh, africaine et, et moi je vais vraiment m'intéresser et c'est à ce moment-là que vraiment uh, il dit my journey of consciousness uh, started. Donc c'est vraiment à ce moment-là que euh, mon voyage, mon départ ou mon évolution dans la conscience euh, commence. Quelles sont les personnes qui l'ont influencé le plus So, who are the people who influenced you the most? Okay, wow. The people that influenced me the most. Um, okay, from a. The first person I would have to say is my mother. Um, she taught me a lot about my history, she taught me a lot about my culture. Um, from there, I would say we had uh, f family friends that also educated me. Um, there is an elder that's passed away right now um, i knew him affectionately by the name of curry and he i would always go into his house uh, his apartment actually and i was a young boy and there was always you know pictures of you know black consciousness up on the walls there was always incense burning there was always um, talks around the ludo table i don't know if you got it in fr in France, but a game called Ludo, and there was always this talk on, you know, um, you know, the greatness of, of of the of us as a people. Um, Afrocentric talks was always going on, and I was always going there as a young boy. Um, you know, if literally leaving my friends just to go and, and sit with this sixty-year-old retired man. And some of his friends just to listen to him speak. And again, this is starting at the age of 11 to this is school days, 11 to 15, always going there just to listen to hear what's going on. Um, so I'll say those are the two earliest influences. Afterwards, as I said from college years, I was like, okay, wh who were these people that came into my college to teach about these topics on Egypt that I always had a profound interest in? I found out it was the Nwapians um which is a controversial group right now uh, but the noir <laughs> <laughs> um, yeah yeah exactly <laughs> so i was like wow this is amazing um and i was reading all of the books uh, when it comes to noapianism um, i think all my money that i was earning at the time went straight into education went into uh, buying books, buying books, buying books, buying books, and learning from uh, Doctor Malachi Z. York um, himself. Um, but again, even my heart was was on was a bit troubled by some certain things that was being spoken about because it didn't align with me. But in terms of the Egyptian talks, I was loving it. I was loving it, lapping it up uh, to the point where um, there was old books like books that you can't buy anymore. Basically, um, but I was importing them in from America and so forth. And I started uh, selling them. By trade, I would say I'm an entrepreneur. So I'm always looking for opportunities, I'm always looking for problems that people have and ways to solve it and always make a little money out of it as well. So um, I started importing these books um, and selling them as well to the point of actually taking over um, the ownership of the bookstore. That were as uh, teaching and and selling the books as well, um, so that my earliest you know influences I would have to say, you know from conscious side of side of things would be Dr Malachi Z York. Um, yeah, uh, I'll go into business like as I said I'm an entrepreneur by spirit, and my earliest uh, my earliest role model I would say would have to be Richard Branson and Uh, Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyazaki. OK. Donc euh, voilà, ce qui se passe, c'est que, alors, la personne où, euh, comment est-ce que je suis devenu conscient, eh bien, euh, une personne qui va jouer un rôle clé dans ma vie, dans mon développement, c'est ma maman. Ma maman, parce que depuis euh, tout tout petit, elle va me parler de mon histoire, elle va me parler de ma culture. Il y aura également les amis de la famille qui vont venir. Et il y avait une personne en particulier, il y avait un vieux monsieur qui venait, qui s'appelait euh, Curry. Alors, lui il va venir et je vais passer un, un temps énorme à l'écouter parler. Et, et donc, euh, cette conscience noire, cette conscience kamite, eh bien, c'est euh, ce dans quoi je vais en fait grandir, parce qu'il y avait toujours euh, des conversations, des conférences, il y avait des personnes qui brûlaient de l'encens, il y avait tout le temps ça. Et puis, il a parlé d'un jeu qui s'appelle Ludo. Et il se trouve que, justement, mon peuple euh, va être là et je vais, justement, être assis et apprendre au pied de toutes ces personnes qui étaient autour, autour de moi. Et ce qui était bien, c'est que ces personnes parlaient de la grandeur, de, de, la, de tout ce qui était majestueux, que euh, les Noirs avaient euh, bâti de grandes civilisations et des choses comme ça. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais et je m'asseyais au pied de ce papa qui avait 60 ans et j'écoutais tout ce qu'il me disait. Et donc, toutes ces, ces, toutes ces conférences afro-centrées, ben, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et c'est ce que je vais faire de l'âge de 11 ans à l'âge de 15 ans. Et vraiment, ça m'intéressait de savoir ce qui se passe. Plus tard, lorsque je vais au lycée, eh bien, je vais tomber sur les New Opians. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le groupe de Brother Polite. Et, et donc, je vais passer tout mon temps à acheter des livres, à lire des livres. Et chaque fois que j'avais de l'argent, ça allait donc tout mon argent que j'avais, eh bien, j'allais acheter des bouquins sur la conscience, et je, je passais mon temps à méduquer, m'éduquer, m'éduquer un personnage clé pour moi, c'est malakai z. york, et c'est vraiment la personne qui m'inspire, parce que je vais apprendre sur des conférences sur l'égypte, etc. et ce que je fais également, c'est que j'étais tellement intéressé, c'est que je vais même aller acheter des bouquins qui ne sont plus en édition, des bouquins qui ne se trouvent plus, et je vais parvenir à les importer depuis les états-unis, et c'est ce que je vais faire. Dans ma personne, je suis un entrepreneur, donc j'aime beaucoup faire des business. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que je suis quelqu'un, quand je vois un problème, j'essaie de trouver une solution. Et avec cette solution, je me fais de la thune. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais euh, importer des bouquins juste à un tel niveau que le, le libraire chez qui j'achetais mes bouquins, je vais même reprendre cette librairie et en être celui qui va le, le gérer. Et donc, voilà un peu comment les choses vont se passer. Et, et, et donc, euh, comme je disais que je m'intéresse à l'égyptologie, mais également à l'entrepreneuriat, eh bien, pour celles et ceux qui le savent, un grand entrepreneur ici au UK, c'est Richard Branson, qui est celui qui a euh, la marque Virgin, euh, Megastore, les trains et tout ça et tout ça. Donc, celui qui va vraiment m'inspirer, mais également Robert Kawasaki, qui a écrit euh, Rich Dad, Poor Dad, donc euh, Père riche, euh, Père pauvre, un truc comme ça. Voilà. Frère, on va parler, on va rentrer demain dans le sujet. Et avant ça, il y a un effet qui se coule. Je ne sais pas si tu connais ça. Ici, on connaît bien ça en, en locodermie. C'est l'effet secondaire qui vient juste après. Je te parle de ça pourquoi Dans mon cas personnel, euh, j'ai toujours du mal avec des choses. Euh, comment je peux dire ça on, on a toujours eu du mal à me faire gober des choses qui n'ont pas de logique. Donc je te parle de, de, de la religion chrétienne en particulier, parce que moi c'est avec ça que j'étais lié. J'ai toujours eu un peu de mal, mais n'empêche que j'avais quand même... Je n'étais pas à un point où je voulais remettre tout ça en question, mais je voulais chercher de la cohérence dans tout cela. Ensuite, il y a eu une phase avec le kémitisme, où euh, quand j'ai su ce que j'ai su, sur l'histoire, sur tout cela, ça m'a un peu énervé. Ça m'a un peu énervé de tout le temps que j'ai passé dedans, toute l'énergie que j'ai passé dedans à essayer de chercher une vérité. Ben en fait, tout cela était faux. Euh, voir l'aliénation de mes parents, l'aliénation de mon peuple, qui tous les, les dimanches vont à l'église alors que nous avons des sérieux problèmes, tout cela m'a un peu révolté. Et j'ai eu une période où j'étais un peu en mode je cherchais à sauver tout le monde. Je faisais des postes, je faisais des conférences pour essayer de désaliéner euh, les gens pour expliquer le christianisme. Ça, c'était une période. Ensuite, il y a eu deux, un deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire, en rentrant dans le kémitisme, lorsque je fais des études pour aller dans les sources des documents, je m'aperçois que je vais être gentil, je vais être, parce que je n'ai pas envie de vexer beaucoup de personnes, mais disons euh, 80% de ce qu'on m'a appris était incorrect historiquement que ce n'était juste de la propagande et ça m'a révolté une seconde fois parce que euh, même si ces informations m'ont permis de me désaligner de me rapprocher de l'Afrique beaucoup de ces informations n'empêche sont erronées historiquement quand on quand on quand on retire le, le côté un peu propagande pro noir là et qu'on est juste sur les faits beaucoup de ces choses sont historiquement incorrectes et aujourd'hui, j'ai pris la position d'essayer à mon, ma façon de réparer ces informations qui sont incorrectes. J'ai envie de savoir, toi, c'est parce que tu vas nous parler de la destruction des pseudo-cultes euh, kémites, est-ce que c'est le même effet qui e se coule Est-ce que ce sont euh, cette frustration d'avoir avalé des choses incorrectes et de pouvoir à ton tour essayer de réparer Est-ce que c'est ça ta démarche so Uh, there's something that uh, our people here in France are familiar with. I will translate it as the knock on effect or the side effect. What I'm trying to say is this when I was a child, you know, I had a hard time, and a, a lot of our brothers and sisters have a hard time, uh, you know, when we are growing up and people are trying to get us to accept something that is not logical. What I'm trying to talk about here is religion. You know, when I was a young child, I was, uh, uh, you know, not really accepting uh, what was being taught to me because for me it was not logical. I didn't challenge it at first, but what I was trying to do was to uh, have a logical approach to something that was that did not make sense. So that was the first level. So after that, I'll, you know, move into the comedic movement. And from there, I will, you know, get another knowledge. And then, uh, when I got that knowledge, I got angry. I got angry because I was taught all the foolishness of, of Christianity. And then I realized that, you know, I wasted all that opportunity. I wasted all that time on some things that did not make sense. And because of that wasted time, I was very angry. But I was doubly angry to see my parents in their alienation, because they'll be going to church, because I was under that uh, 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 angle of trying to save people. So that was one thing, I wanted to save people. But after that, after becoming uh, someone in the Kemetic movement and being conscious, I realized that 80% of those very things that were taught to me in the Kemetic movement was incorrect. So now I had to spend my time trying to correct and repair those mistakes. So now the question to you is: Do you have the same frustration? You know, the same side effect of you know frustration for having been lied to, but also uh, frustration for being lied to a second time through cometic, uh, foolishness, where the information was wrong. Do you have the same frustration, and also okay. the desire to try to repair? D'accord. Yes, um, I would say, fortunately for me, this happened to me at a very early age. Um, so I had enough time to process everything that I learned via religion. And I no longer have those problems or frustrations. I have a newfound love for religion. I love Christianity, I love Islam, I love the Judaic text. Um, and I love it from the understanding of, of what it is. Let's just take it as mythos or stories. Um, They're to tell a higher truth uh, or moral truth or an allegorical truth. So, from that standpoint, I don't actually have that frustration anymore. Um, as a young man, maybe in my 17, 18, 19 years of age, I was always battling it. Um, you know trying to convince my christian friends that this is wrong this is that and so forth so forth but after a while do i actually care no i don't actually care <laughs> as long as <laughs> as long as you're living a good life um and you know as long as you're living good and treating other people good i still think that jesus uh whether some people think he's real or not i think the story of jesus or the teachings of D jesus i would say he's a master teacher and he uh, he is very influential and if you follow those teachings itself um you know it can give or can bring about positive good results um so i don't have any hang ups with that in terms of kemit oh my god oh my god yeah yeah so i would like to say yeah i was in doctrinated with the cult par excellence of cults, uh, which is the Noabian movement. And if you pick up any Noabian book and I am going to apologize, family yeah, out there, I apologize. Okay. I don't mean to be disrespectful, but if you just pick up any Noabian book and you read it from start to finish, you'll realize how much nonsense are in those books themselves. Uh, sprinkled with a nice amount of doses of truth okay those doses of truth will keep you there but if you really had a critical mind and and open yourself up you'll see some nonsense um, you'll see that what's going on in the conscious community over the last 10 years that i would say 15 years i've been a part of the conscious community um, you'll see that most of the teachings in there are nonsense it's either you are badly educated or you're just there to deceive um people for the sake of money it's it's one of the two i don't know which one it is um and when i do speak with certain individuals in the conscious community i just realize that you may not have a any bad intentions but you yourself are also undereducated and don't know any better so I do have more of a pet peeve with Kemetics um, because I feel as though that is my community. Um, with religion, you know Christianity and Islam, I feel as though those are the other groups, you know, Hebrew Israelites, those are the other groups. So it's it's not that bad. But when it comes to my own community, you know those are the those are the individuals I want to speak out against because I feel as though me and you we are same. We are similar. We're part of the same struggle. Haché, haché, haché. Donc en fait, euh, ce que je peux dire, c'est que, effectivement, euh, je suis comme toi, j'ai eu des moments de frustration. Euh, ce qui est important, c'est que, heureusement pour moi, les conneries euh, du style, euh, voilà, une religion qui n'est pas logique, euh, ou, ou bien que tu es dans le kémétisme, dans le mais tu te rends compte qu'on te raconte des conneries aussi, heureusement pour moi, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tôt, parce que ça, ça arrivait tôt, c'est arrivé lorsque j'avais 11 ans. Tu vois? Et comme ça arrivait il y a, il y a très très longtemps, aujourd'hui, je n'ai plus cette frustration. Mais ce que je peux dire, c'est que I love Christianity, I love Islam, I love Judaism. Donc, j'adore le christianisme, l'islam et le judaïsme, Christi euh, pardon, le, le christianisme, l'islam et le judaïsme, pour le fait que ce sont des religions qui parlent de mythes, qui parlent d'histoire. Alors, donc, de ce fait-là, je n'ai aucune frustration. Tu vois, je n'ai aucune... <laughs> aucune, frustra... aucune frustration parce que euh, la frustration, je l'avais très, 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 très tôt. Et, et c'est vers les âges de 17 à 19 ans que vraiment je deviens conscient. Et je me rappelle, je me rappelle quand j'avais 17 et 19 ans, c'est à cette époque-là que j'essayais de convaincre mes potes. J'essayais de leur dire voilà, la vérité, elle se trouve ici, ici etc. Mais aujourd'hui, I don't care. Je n'en ai rien à... Ah, voilà, ok. Donc, euh, je dis simplement ceci, si vous croyez dans votre euh, Jésus, etc., eh et, et bien, euh, tu peux dire, you could live a good life. Donc, si tu crois dans ton Jésus, tu peux vivre une vie qui est ok. Je retiens que... Qu'il ait existé, qu'il n'ait pas existé. Il dit, il euh, a master teacher. Donc, que Jésus ait existé ou pas, il faut regarder que d'un point de vue de l'enseignement, c'était un enseignant qui était vraiment euh, balèze. Mais, et que si vous le suivez, peut-être que vous allez avoir une vie qui va être positive. Mais en réalité, qu'est-ce que moi j'ai dit ceci C'est que lorsque je tombe dans le kémétisme, oh my God Wow, c'est vraiment là que je me suis laissé endoctriner dans ce qui se passait. Et je vais tomber dans le mouvement par excellence de l'endoctrinement, c'est le New Opiens, à savoir le groupe de Bardo Polite. Mais je m'excuse, il dit ⁇ I apologize, je m'excuse, la famille ⁇ parce que les livres de ce mouvement, c'est vraiment du n'importe quoi. Il dit nonsense. Donc, euh, il y a énormément de n'importe quoi, avec peut-être des petites pincées, you know, a little bit of truth. Donc, il y avait des petites vérités, mais globalement, c'était du n'importe quoi. Il parle de nonsense. Donc, il se fait que moi, eh ben, je, ça fait déjà dix ans maintenant que je suis dans la, dans la communauté consciente, et je dis simplement que ceux qui enseignent dans le kémétisme, il dit badly educated. Donc, ceux qui sont les enseignants là-dedans, ils sont mal éduqués. Ou alors, c'est simplement des gens qui veulent nous tromper et se faire de l'argent en même temps. Je suis d'accord avec lui. <laughs> d'accord avec lui. Et, et donc, euh, il dit Moi, maintenant, je suis dans une position où je dis Je vois un monde qui est divisé en deux. Il y a les autres. Les autres, c'est ceux qui sont dans euh, le christianisme, ceux qui sont dans l'islam, ceux qui sont dans le judaïsme. Eux, c'est les autres. Mais j'ai ma communauté, c'est la communauté consciente. Donc je dis qu'il y a nous ici qui sommes conscients et il y a eux qui sont de l'autre côté. Donc j'ai du mal un petit peu à, à être négatif par rapport au mien parce que j'appartiens à ce, ce groupe-là. Donc je vois qu'il y a nous et eux. Voilà. Excellent. Alors euh, moi, ce qui, ce qui me... Et après, on va attaquer le sujet, mais ce qui, moi, me révolte un peu, euh, c'est le fait que on se dit conscient. Et euh, je vois que les choses sont faites. Il euh, y a une volonté des personnes qui nous ont peut-être enseigné ces choses, soit de profiter de notre ignorance, soit parce qu'eux-mêmes ne savaient pas. Parce qu'en fait, les documents sont là. Euh, une fois que moi, j'ai décidé de ne plus écouter ces personnes et d'aller fouiller par moi-même, de faire mes recherches, et c'est comme ça que je me suis aperçu que 90% des choses qui m'ont désaliéné, toutes ces choses-là étaient m'aliénées encore plus en vérité. C'est-à-dire que je suis sorti de la merde avec de la merde. <laughs> Ça n'a aucun sens et c'est quand même assez révoltant pour des gens qui se disent euh, conscients. Donc, euh, ce qui va nous emmener au sujet, le sujet, c'est de, j'ai envie d'avoir ton, ton point de vue sur les fameux cultes kémites. Je vais d'abord laisser les frères parler euh, traduire parce que sinon ça va être trop long parce qu'après je vais poser ma question. So yeah, so what I would like to say is that uh, I've got a revolt. against the conscious community because my take is that uh, either the people who are our teachers they want and they do take advantage of us or they just didn't know the truth so which which means that uh, as i said earlier 80% of what i learned was falsehood and uh, this is something where brother mobali used a beautiful image is that uh, i'm living christianity trying to go to the truth but i realized that that truth is shit so now i find myself trying to come out of the shit of christianity and now i'm now covered with the shit from consciousness <laughs> and that's as a, as a result this is my reality here so i'd like uh, <laughs> So, Brother Mobali Makasi is, uh, is uh, appreciating <laughs> my accurate translation of yeah. his thoughts. <laughs> so, the question that Mobali Makasi is asking you is, uh, what is now your opinion on those uh, comedic uh, cults that are actually just falsehoods? <sighs> um, what are my thoughts on them? Disons, qu'est-ce qui le <inaudible> dérange lui dedans? So, so, uh, so, maybe not what uh, are your thoughts, but what is it that you are in a disagreement with, with the falsehood that we see in our conscious community, specifically about the comedic cults? And uh, uh, and I'm, I'm sorry to say this, just uh, a message on Brother Mobali Makati. Uh, so, that was okay. just a question. Excellent. So, okay. I'm going to start from my self centeredness. So a part of my identity is kemet or kemetic philosophy and I like to portray to others that I am an intelligent black african man and then when others identify the same as me but what comes out of their mouth is not intellect but ignorance in a very Confident manner. So, you know, you're, you're speaking falsehood and you're speaking ignorance in such a confident manner that people tend to believe what you're saying is factual. But on a little bit of investigation, you understand that this person is, as I said before, the word, it's nonsensical. And now, when other people who identify the same as me in numbers start speaking the same way, but they're speaking incorrectly and ignorantly. Other people come back to me to be like, hey, O'Callum, I swear you're one of these comedic dons or you're one of these comedic people. They said X, Y, Z. And then they're looking at me as, that, as though I myself hold these same beliefs or hold these same thoughts. And I'm like, no, no. The very first thing that I learned, um, or one of the first things I learned, as being part of the comedic community. Uh, shouts out to Theophile Benga, um, you know, African philosophy right here. Big book, big book. Um, in there, he talks about the tepihesp or the correct methodology, which is the scientific method um, of investigation, putting forward hypotheses, being very scientific minded. And, you know, the, the, the real goal is to have knowledge so for me, I don't I tell everybody, please like leave me alone. I do not deal with anything to do with beliefs, okay? Anything to do with comedic stuff, I do not believe. I will dash away something as 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 quickly as possible as as if I find out that information is incorrect, okay? I don't hold on to anything. I'm not emotional anymore, right? I just deal with the intellect, the consciousness. If it is correct information, it's correct information. I don't care where it's coming from. I don't have the hang-ups of it's the white man or it's the brown man or it's the yellow man or it's the black man. I do not care, okay? If somebody the white man says 1 plus 1 is is 2, okay? The answer is 2. If he tells me it's raining outside and it's raining outside, it's raining outside. I don't care where the source is. As long as it's factual, as long as you can prove it, as long as it is falsifiable, falsifiable information, I hold on to it. Okay? That's me personally. Um, so, uh, yeah, I do have problems with other individuals in the comedic community that are staining the rest of us who don't you know uh, deal with know. Uh, no i'm not going to say anything because i was going to say something Dealer. but i know some of my Dealer. brothers you were, sisters, you're going to say were uh, names right Dealer. i was going to say things practices okay uh, uh, like you know maybe like okay say it say it say it like oh i say didn't it. know that kemet did yoga and i was like i, I didn't know that neither i didn't know that neither okay Voila. Um, but I have no problems as long as you say it is um, Kemetic-inspired. Let's do that. Let's do that. I follow Kemetic-inspired yoga or Kemetic-inspired spirituality or Kemetic-inspired, I don't know, um, I don't know, whatever else that you have going on, yeah? It's inspired by. But to say that it is authentically Kemetic, I would have to say, no, stop it. Let's stop right there. Okay. Um, in the presentation, I always I go back into and tell you, let's go back into the words of the ancestors. Let's go back into the words of the Kemetic people themselves. Excellent. What did they say? Excellent. Okay. That's it. Excellent. Absolutely. So, donc uh, moi, ce que je vais te dire c'est que je vais te parler de moi-même. Je m'identifie, je me présente, je me mets dans une situation où je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est de Kemet. J'adore la philosophie de Kemet. Je m'identifie comme un Africain, il parle de Intelligent Black African Man. Donc je m'identifie comme un Africain qui est intelligent, qui est intellectuel, et je euh, m'identifie de cette manière. Mais je dis simplement ceci j'ai un problème avec celles et ceux qui se présentent avec leur ignorance, mais qui parlent avec confidence, qui parlent avec confiance en eux. Voilà. Et là, je trouve qu'il dit it's nonsensical. Ça n'a aucun sens. Donc, des personnes qui viennent, qui sont remplies de fausseté, qui sont remplies d'ignorance, mais quand elles parlent, euh, ces personnes parlent avec euh, confiance en eux. Mais les choses qu'elle raconte, c'est de l'ignorance complète. Alors, c'est pour cela que moi, souvent, je me retrouve dans des situations difficiles où j'ai des potes qui viennent me trouver, qui ont entendu des conneries qui n'ont pas de sens ailleurs, et qui me disent, hé hey, Kamal, t'es pas euh, celui qui est comme les autres là-bas, là, qui ont raconté des, des bêtises. Et c'est maintenant à moi de devoir me défendre et de dire à mes potes, en fait, non, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc maintenant, c'est à nous à payer le prix des faussetés, du non-sens des autres. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment très, très sévère par rapport à ça. Et il dit, heureusement qu'il y a des personnes comme Théophile Obenga, il a montré le bouquin, donc, la pers donc les personnes ont pu voir. Il dit, voilà quelqu'un qui arrive et qui, nous et, qui, et qui nous apporte une méthodologie qui est correcte, qui nous, a qui, qui nous apporte une approche scientifique. Il y a des hypothèses. Qui sont qui sont faites, donc c'est pour cela que moi je dis on n'est pas ici pour croire. No belief, on n'est pas ici pour croire. Il n'y a pas de l'émotion. Il dit only intellect. Ce qui nous importe ici, c'est l'intellect d'abord. Si l'information est correcte, l'information elle est correcte. Je n'ai pas de problème à savoir que c'est l'homme blanc ou c'est l'homme brun ou l'homme rouge qui a dit que 1 plus 1 est égal à 2. Si l'homme blanc a dit 1 plus 1 est égal à 2 et c'est un blanc qui l'a dit. C'est l'information qui est factuelle, vérifiable, scientifique. Ça le fait, je prends. Si c'est l'homme blanc qui dit qu'il pleut dehors et que je vais dehors et qu'il pleut dehors, c'est scientifiquement prouvé, ça le fait. Donc je n'ai aucun problème. Il dit, I don't care about the source. Je n'en ai rien à caler de qui a dit quoi. Si c'est scientifique, si c'est vérifié, c'est ce qui m'intéresse. Parce que sinon, on va se retrouver dans des situations où on a des croyances. Et à ce moment-là, lorsqu'on croit, eh bien, on se fait en fait berner. Alors, un des problèmes qu'il y a ici, il y a des gens qui nous parlent qu'il y a le yoga de Kemet. La question voilà. c'est est-ce qu'à Kemet, on faisait des yogas Dis-le <laughs> Il y a <laughs> des gens qui nous parlent de la spiritualité de Kemet. Est-ce qu'à Kemet, on faisait cela Moi, je dis à la limite, j'accepterais que les gens ils disent que je fais du yoga qui est inspiré de Kemet que je fasse des cultes qui sont inspirés de Kemet. D'accord. Mais voilà. qu'on vienne me dire que je fais du yoga de Kemet. Est-ce que tu étais là, frangin, à Kemet et tu as posé la question aux ancêtres et ils t'ont dit qu'ils le faisait de cette, de cette manière-là Il dit que ça, il dit, we need to stop it. Il dit, si ce n'est pas authentique, <rire> <rire> si ce n'est pas authentique, il faut franchement l'arrêter. Donc, voilà un petit peu ce que le frère dit. Et il dit qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'il faut Il dit, il faut qu'on retourne à Kemet, qu'on pose les questions aux anciens. Et si eux ils disent que ça se faisait comme ça, ça se faisait comme ça. Mais on doit dire à la limite que c'est quelque chose inspiré de Kemeth, mais pas que c'est de Kemeth. Je suis tout à... et c'est ça moi mon problème, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à critiquer les autres au nom du kémétisme. Euh, mais lorsque euh, des choses sont incorrectes, avec la même la même comment je peux dire ça, la même énergie que j'avais pour critiquer les autres, je dois aussi critiquer ce qui se passe à l'intérieur de ma propre maison. Il n'y a que comme ça que je peux être crédible dans ce que je fais. Et j'avoue qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. De... Et des choses qui m'ont déjà mis à la, les puces, à la puce à l'oreille au début, c'est que je t'avoue, moi quand j'ai quitté le, le, officiellement les religions abramiques et que je me suis dit, OK, je veux rentrer dans le kémétisme, j'attendais que de voir des rites. De l'ancienne Égypte. Parce que ces gens-là portent des noms des Égyptiens. Ces gens-là portent des croix Ankh. Apparemment, leurs ancêtres, c'est des... Donc, j'attendais que quand j'allais je dois aller dans leur conférence, dans leur lieu à eux, là, que je vois les rites égyptiens. Mais bizarrement, partout là où je suis parti, ce sont des gens qui ont des noms égyptiens, qui ont des croix Ankh, mais je n'ai jamais vu de rites égyptiens. Ce que moi, je vois, c'est le tam-tam, c'est du vaudou, c'est autre chose, mais je peux te dire, ça n'a rien à voir avec les cultes égyptiens. Et ça... Je t'avoue que ça commençait à me révolter. Parce que j'ai l'impression, moi, quand je paye je ou paye, je vais au cinéma pour aller regarder Rambo, je veux voir Stallone. C'est pas je veux voir Rambo et puis après je veux, à la, je veux voir le film. Maintenant, ça devient, euh, comment il s'appelle Ça devient Omarcy. Ça m'énerve. Donc déjà, j'ai senti qu'il y avait un problème. Soit les gens ne connaissaient pas les textes. Et pour combler, ben, ils vont ramasser les cultes africains qui maîtrisent mieux et nous vendre tout cela sur le kémitisme. Et déjà là, je commençais à marquer, à voir un grand désaccord au sein du kémitisme. Le deuxième, c'est ce que tu viens de soulever. Toutes ces choses-là qui sont attribuées à l'Égypte, alors que l'Égypte n'a jamais connu ça, les histoires de yoga kémite, les histoires de. quoi encore de bol chantant, ces histoires de la fleur de vie, ces histoires de, de la cabale qu'on habille sous le prétexte égyptien, toutes ces choses, j'avoue que ça commence vraiment à faire trop. absolutely uh, so mubali makasi is saying you know that has been my, my problem because um, i'm someone who wants the truth and as a result if i spent time criticizing what christianity and all those religions were doing i'm also someone who's got the guts to criticize in my own backyard or criticize my own house meaning that you know leaving religion entering the kemit conscious community I was doing that uh, move because I was waiting you know to see the truth because I wanted to uh, embrace the, the Kemetic rituals because I was you know paying to go see uh, attend a conference. I wanted to see real stuff, also because the people who were organizing those events and those rituals or those conferences had Egyptian sounding names. But when I went to those events, what did I see? I saw drumming. Voodoo, but nothing that was really authentic from Kemet. you know it's like when you go to the cinema or to the movies, if you want to see a film that is about say for example Rambo, you're expecting to see Silver Stallone. You're not expecting to see you know an actor X, Y and Z, you know and then uh, in, our, in in our reality today you will see people talking about yoga, people doing some cabalistic mambo-jambo and that's not something that i'm very much interested in mm -hmm. so is it the same analysis or conclusion that you can draw from what is currently happening 100% i've joined many organizations i've joined many conferences um, meet up groups you know you name it um, and it's what, what is it? it? It's the best I can say it is comedic inspired that that is going to be my go-to word is comedic inspired. Uh, you're taking on, uh, Kabbalah you're taking on, uh, you, new know, age. you know, yeah, new age, there you go. It's all new age stuff. And. That's my problem. I'm like, okay, but really and truly, this isn't authentic. When I go to a restaurant, I want to eat authentic, you know, Indian cuisine or Caribbean cuisine. It was like, I went to America, Atlanta, and we went to what is it called? Bamboo Breeze. Okay. You know, everybody's like, yeah, it's a Caribbean restaurant. You know, it's amazing. You know, have the jerk chicken. I said, what is this? Yeah. When I'm being lazy at home, I've got an air fryer. I season the chicken. I put it in the air fryer. It comes out. It looks a bit roasted. That was their jerk chicken with a jerk sauce. You know, I don't know. In England, we can go Tesco's, we can buy a jerk sauce. They gave me air fried chicken with jerk sauce. Um sauce which is not authentic jerk sauce yet again um and i ate it and i was like american people are suffering because they don't know what authentic caribbean food tastes like if you go into london and you eat authentic Caribbean jerk chicken where they where they literally have the barrel out and they're smoking the jerk chicken and it could take a little like three four hours for that jerk chicken to cook yeah you know the smell the aroma the taste of it that is authentic jerk chicken okay now it's with the comedic community it's like you're giving me something that presents to be comedic you're giving me something that looks comedic you have comedic names you have comedic looking imagery but when we actually taste the meat of what it is it's like i know this taste i've got this at home you know i know christianity masked anywhere what you're giving me is really, you know, Christianity inspired with with some sprinkling of of comedicism. That's what you're exactly. giving me. Exactly. Exactly. And I'm like, I don't want that. I don't want that. I want the authentic thing. Um, and for me, the best way I discovered the authentic thing was learning the language itself, mm -hmm. going through academic um, papers, journals, textbooks right um, doing visitations to kemet itself or or egypt itself and learning from the the actual people who held on a little bit to the culture mm -hmm. and that is the way i got to learn more about kemet rather than you know reading these new age kemetic books um, or participating in these new age kemetic conferences or these new age groups so i'm i'm part of rosicrucianism um which is an excellent uh, metaphysical philosophical spiritual um organization but again it is kemet inspired it's nothing to do with kemet um in its authenticity. excellent, excellent. Aché, aché. oui mobali Makassi, je suis d'accord avec toi à 100% parce que tu sais j'ai rejoint des organisations des groupes des meet up groups et tout ça et ces groupes en fait ont la même chose en commun il dit c'est Kemetic inspired. C'est en fait, c'est inspiré du kémétisme. Oui, tu sais, on, on peut parler de la cabale, mais en fait, en réalité, il, il dit it's new age stuff. Donc, euh, c'est euh, en fait du new age qu'on essaye de donner une, un, un, un petit goût de chemète, voilà. mais Il n'y a rien de plus. Donc il dit, this isn't authentic, ça c'est pas du tout authentique. C'est un peu comme si vous vous retrouvez aux États-Unis et on vous dit, tiens, on va aller manger dans un restaurant car euh, caribéen. Donc euh, là-bas, on est supposé manger, parce que quand les Anglais parlent de, la, de caribéen, ils parlent de la Jamaïque. Voilà. Donc, euh, on, et puis on lui dit que, viens ici à Atlanta, il y a un restaurant qui s'appelle Bamboo Breeze. Donc on va là-bas et je goûte la nourriture et je me dis, what? Qu'est-ce que c'est que ceci? Donc, c'est comme si moi j'ai euh, une friteuse euh, air fryer, je me fais mon petit poulet euh, à la maison. Eh bien, c'est ce, cette qualité de poulet que j'avais mangé dans ce restaurant qu'on présentait comme jerk chicken donc euh, poulet à la, sauce, euh, à la sauce jerk. Voilà ce qu'on essaye de nous faire comprendre dans ce restaurant que c'était de la nourriture authentique jamaïcaine alors que ce n'est pas vrai du tout. Alors c'est pour cela que moi je dis que dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'on présente comme de Kémet, il dit, ça ressemble à Kémet d'un point de vue de l'apparence, d'un point de vue de la sonorité du nom, mais en réalité, ce n'est rien du tout. Il dit, c'est du christianisme. Qui est masqué. On a saupoudré avec un petit peu de Kemet, mais c'est en fait du christianisme qui est en fait masqué. Et ce n'est pas ce que je veux. I don't want that. Exact. Il dit, par contre, la démarche, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est to learn the language, apprendre la langue, read the textbooks, lire les bouquins, visitation to Egypt, donc aller visiter l'Egypte. Il dit, learn from the, from, from the people, donc apprendre des gens. En Égypte, qui ont gardé, qui ont conservé encore leur culture, il dit plutôt que de nous faire un ramassis, un fouillis de New Age, qu'on essaye de, de, de saupoudrer avec quelque chose de Kemet. Et c'est un petit peu de ça dont, dont il parlait. Bon, frère, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait un peu le constat, tout cela, qu'on s'est un peu plein, essayons de voir que disent les textes essayons de voir que disent les anciens de leur propre culture. Comme ça, on va se faire une idée de ce qui se fait par-ci par-là et de ce que les anciens ont pratiqué, et de voir que les gens voient est-ce que nous sommes dans la bonne voie ou on s'est tous fait carotte. En tout cas, la voie qu'on qu nous montre là, c'est la bonne ou bien c'est la mauvaise. Donc laissons parler les Égyptiens eux-mêmes, laissons parler les Kémétiques les eux-mêmes. So, having now done a little bit of a tour of this uh, conversation tonight, now I think it's the right time to let Our Kemetic brothers, our elders, to talk about themselves rather than we doing it. Because, you know, uh, I want us to be able tonight to understand what we are hearing is it the truth or we've been lied to? So that's the reason why I think it's important that we let Kemetic people talk about Kemet. 100%. Qu'il partage l'écran, dès que c'est OP, je partage aussi. So, when you're ready with uh, the full screen mode, let us know so that we can share the screen, yeah. please. It's up, let me know if you can see it. Okay. Oui, donc c'est bon. prêt, dis-moi si tu peux le voir, frère Mobali. Pour moi, c'est bon. C'est quand il veut, il peut y aller. So, whenever you're ready, just go for it, brother. OK, excellent. All right. So, uh, this particular... Um, Uh, presentation I did on another channel. I would like to salute that channel in America, which is Sarnetta TV or Sarnetta Studios. Um, salute to Sarnetta. Uh, he's raised a lot of us with inside of the English speaking world uh, in consciousness. So salute to Sarnetta. OK, donc euh, voilà, ça c'est une présentation que j'ai euh, pu réaliser dans une autre chaîne. Pour celles et ceux qui parlent anglais, ils sont conscients et au courant d'un frère qui s'appelle Sa Netter. Donc euh, je profite de cette occasion pour euh, passer le big-up au frère Sa Netter. OK, awesome. Donc, so, uh, today's présentation d'aujourd'hui, um, know, vous savez, c'est appelé Kemetic Dua in Practice. Which basically means Kemetic worship in practice, um, and it's the cult theological treaty, uh, King as Sun Priest. And we'll get into that particular uh, treaty a little bit later on. translate donc la présentation de ce soir c'est simplement uh, une manière de dire que nous allons parler de la manière de célébrer donc the worship in practice donc uh, de manière pratique comment est-ce que les cultes étaient célébrés et c'est basé sur uh, 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 on voit ici king Asun son donc c'est le, le prêtre uh, c'est le prêtre roi uh, Asun. Uh, Si tu une meilleure traduction, tu, tu me dis. OK frère, je suis, je suis derrière. Y a pas de souci. OK. So, uh, the purpose of this presentation, I will speak it in the uh Kemetic is Seheper Maat har Sehetem Isfet. Which is realizing Maat, truth and destroying Isfet, falsehood. Donc le but de cette interview ce soir, il a parlé en langage kémétique. La traduction, c'est simplement que l'idée ici, c'est de réaliser la math, c'est-à-dire la vérité, et de détruire tout ce qui est fausseté, à savoir isfet. And symbolically, I will be representing the pharaoh, uh, as we can see here on the left, is Ramses holding the enemies. Uh, it's called the nine bows. Um, By their forelock and about to smite them with the axe of truth alors ici vous voyez représenter donc le pharaon Ramsès, et vous voyez que il tient ses ennemis il les tient par les cheveux et il a donc euh, il a l'intention donc justement de leur euh, euh, trancher euh, la tête avec euh, euh, l'épée de la vérité awesome. and again. Um, you know, the, one of the foundations uh, of the Kemetic philosophy is this, is to realize Ma'at and to destroy Isfet. And I hope uh, this presentation would greet you guys well. And everything in this presentation should be sourced um, literally in the footnotes. So, if you don't see anything in the footnotes or you have any questions, uh, please just drop your comments in the YouTube comment section and I will do my very best to answer any questions or to provide you with further um, sources. Donc euh, tout ce que je dirai ce soir ici va être sourcé, il y aura des références pour celles et ceux euh, qui ne seraient pas satisfaits par rapport à l'information présentée. N'hésitez pas à m'envoyer des messages dans le chat et je me ferai un plaisir donc euh, de donner plus de clarifications parce que la fondation, le fondement ici, c'est que dans cette présentation, il s'agit de montrer la vérité et que tout ce qui est fausseté, tout ce qui est faux doit être détruit. Awesome. All right. So, my argument today is a very simple argumentation, and it is this it is the argument of the ancestors. And it says here do not anything according to your heart, but you should look at the old writings, pass the directions of the temple in your hands as an instruction for your children. Um, again, the Reference is down below, it's from the Komombo Temple, text 878, and you can find it in, um, uh, uh, what's his name now, uh, what's his name, Frederick uh, Quack's book called The Conception of Purity in Ancient Egypt or Egyptian Religion. Yeah. OK, donc euh, ici, quand euh, je parle ce soir, je dis simplement ceci, c'est que mon argumentation, elle est vraiment basée sur euh, ce qui est dit ici à l'écran, et ce texte, vous pouvez le trouver, donc c'est le com ombo, euh, c'est donc, donc écrit dans le temple, et c'est le texte 878, et le texte, ou en tout cas l'argumentation que je présente ce soir, dit à peu près ceci. Ne fait rien. Selon ton cœur, mais tu devrais plutôt regarder les anciens écrits. Passe la direction du temple dans tes mains et utilise cela comme une instruction pour tes enfants. Carry on, brother. Because my problem is a lot of people within the committed community are what I call makeup artists. They're making up stuff from their hearts and from their heads. But again, yeah, the ancestors said, don't make anything up. Don't go according to your heart, but look towards the writings of old. Look towards the ancestors and what they said and use that as directions for yourself. Use that uh, for your guidance in life. Use that as instructions for your children. Et ce que je dis, c'est ceci, et c'est pour cela que j'appelle, que, que j'appelle euh, euh, nos frères et sœurs ici, je, je les appelle des make-up artists, à savoir, je les appelle les maquilleurs, parce que ce sont des gens qui vont faire des choses avec euh, leur cœur, qui vont leur faire, qui vont les faire avec leurs mains. Mais je reviens euh, avec euh, cet argument, euh, qui est que ne fais rien avec ton cœur, mais inspire-toi des textes. Et utilise ce que les anciens ont écrit comme direction, comme moyen de, de procéder, plutôt que les choses que tu fais avec ta propre main. All right. So, uh, the content of today, we'll be going through the temple inscriptions. Uh, we'll find the cult theological treaty in there. We'll go through the priestly knowledge, the priestly roles, the temple library. Uh, The Schoolmaster's Curriculum, Contemporary Greek uh, Writings on Priestly Scholars, Conclusion, uh, which is a criterion that we need a regulatory body within side of the community. Donc, la table des matières de ce soir, on va parler des inscriptions sur les murs des temples. On va également regarder euh, les traités euh, théologiques euh, du culte. On va avoir une connaissance de ce que c'est que. Euh, priesthood, à savoir, euh, priestly knowledge, à savoir euh, obtenir une connaissance euh, des prêtres. On va essayer de savoir quels sont les rôles que les prêtres jouaient. On va voir également un aperçu euh, de la bibliothèque euh, du temple. Euh, on va également euh, voir le curriculum, euh, donc euh, les matières justement qui étaient enseignées là-bas, et puis on va également analyser euh, les écrits euh, de, la Grec de la Grèce contemporaine, euh, donc euh, sur ce que les savants euh, prêtres disaient, et puis on va avoir une conclusion justement euh, après pour cette présentation ce soir. So. Uh, we'll start off straight away by going into uh, the cult theological treaty, uh, which can be found within sight of various temples within sight of ancient Egypt. Um, and those temples are the Temple of Hatshepsut, the Luxor Temple of Amenhotep, the Sun Chapel at Medinet Habu, Tahaka Building at Karnak, uh, the two coffin royal, uh, royal coffins of the 25th Dynasty from Nuri, um, you know and various other tombs as well uh, so we're going to be pulling from this particular source that can be found in those particular locations and we get this information by via the Egyptian solar religion in the New kingdom Re Amun and the crisis of polytheism by Jan Asman German Scholar Donc, euh, la famille, vous pouvez lire ici à l'écran. Donc, en fait, en gros, on résumé, ce que le frère Kalam euh, euh, explique, il dit que euh, ce que nous allons présenter ce soir, eh bien, vous le trouvez par exemple dans le temple de Hatshepsut, euh, vous le trouvez par exemple dans le temple de Luxor de Amenophis III, euh, vous le trouvez également dans la chapelle euh, du soleil à Médinet Abou, euh, dans le temple de Hatshepsut. Le temple de taarka à Karnak, etc. etc. Donc, vous voyez un petit peu à l'écran, tout est expliqué, et c'est de cela dont parle le frère ce soir. Ok. As you can see, this particular um, text is widespread throughout ancient Egypt. Um, and the text deals with the king as a sun priest i.e his roles as a sun priest uh, the, the functions and so forth in there there is a list of eight things eight is another sacred number um, towards jehuti or tahuti or thoth um, and we'll go into that shortly Donc euh, le texte qui est présenté ici à l'écran, eh c'est un, un texte qui est largement répandu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un texte qui parle du Pharaon en tant que sun priest, à savoir un preste, le, le, le roi soleil en fait. Alors c'est un texte qui va parler des rôles, euh, que cette personne va remplir. alors ce qui est important, c'est que ça va parler des huit choses fondamentales que la personne est supposée réaliser. alors ce qui est important de savoir, c'est que huit, c'est également un chiffre symbolique et c'est également lié à jouti. Ok, so in here, it talks about the knowledge that the king has to have. Okay, and he says he knows the sacred speech spoken by the eastern bars when they make jubilant music for Ray. I might as well read out the whole thing. Okay, so I'll continue. When he rises and appears on the eastern horizon, they open for him the double doors of the gates of the eastern horizon so that he can travel forth on the ways of heaven. He knows their appearance and incarnations and their cities in the land of God, he knows the place where they stand. He, when, he, when he embarks upon his journey, he knows the words spoken by the two crews when they drag the boat of the one who lives in the horizon; he knows how ra is born and his metamorphosis in the flood; he knows that sacred secret gate through which the great god comes out; he knows the one in the day boat and the great image in the night boat; he knows your landing places in the eastern horizon and your travels in the goddess of heaven. Traduction simultanée, donc euh, le roi NN dit ceci. Il dit que le, le discours secret parlé par euh, le bas de l'Est, lorsqu'ils font de la musique de manière jubilante pour Ré, lorsqu'il se lève et qu'il apparaît à l'horizon à l'Est, ils ouvrent pour lui la, les doubles portes les doubles portes euh, de of, of, the, of the gate euh, de, la barrière, euh, de, de la barrière de la barrière de l'horizon à l'est pour qu'ils puissent voyager aller de l'avant et aller vers le chemin du ciel il connaît leur apparence et incarnation il connaît leur ville dans le pays de dieu il connaît la place où il se trouve lorsque il embarque pour ça, pour son voyage, il connaît les mots, les mots qui sont parlés par les deux équipes lorsque ils tirent leur bateau, euh, euh, leur bateau sur le, celui duquel euh, ils vivent, ils, ils quittent pour aller à l'horizon. Il connaît comment ré est, est, est né et sa métamorphose dans euh, dans l'eau en fait. Voilà, in the flood, dans comment on dit le flood. Dans l'inondation, pardon. Voilà. Il connaît le, euh, il connaît la barrière secrète à travers laquelle le grand dieu, euh, duquel le grand dieu sort. Il connaît celui, euh, il connaît celui euh, de, du bateau de la de la journée, et il connaît la grande image du bateau de la nuit. Il connaît les endroits où ils vont atterrir à l'horizon de l'est. Et votre voyage dans le, dans le ciel uh, des déesses. yeah so those were the you know the knowledge that the king has to have um, in there it's quite cryptic um, hopefully later on we will dissect a lot of uh, this particular text and it says okay. here that... so go ahead yeah. so go ahead brother yeah. okay and, and over here, it talks about the different roles uh, that the king is supposed to have. And it says here that Ra has installed the king on the earth of the living for endless repetition and an invariable duration to administer justice to human beings and satisfy the gods to fulfil Maat and annihilate injustice. He gives food offerings to the gods and funeral offerings to the transfigured or the ancestors. OK, donc la famille, je vais faire attention parce que je sais que traduire comme ça à la volée, c'est pas facile, donc je vais prendre le temps de bien le faire parce que c'est super important qu'on comprenne. Donc dans ce, dans ce texte, on décrit vraiment le rôle euh, du, du, du roi. On dit que Ré a installé le roi NN sur la terre des vivants pour une, réper pour une répétition infinie et une euh, durée invariable pour administrer, pour faire la justice aux êtres humains et satisfaire les dieux, pour remplir la maât, pour accomplir la maât et éliminer toute forme d'injustice. Il donne de la nourriture en offrande aux dieux, mais également il offre des, fun des funérailles aux transfigurés. Voilà. Wow. d'accord. Ça. So. Um yeah, I'm just remembering uh, you know, I it is for me it's the criticism on the comedic community uh, for not is the or roi Here is it something that uh, the king is supposed to make or the royal priest is uh, supposed to make. whose uh, uh, command is this one? yes. Four. so these are the command, this is the command for the king who has been given this by ra to do. and then the king also needs to act as ra and give this to the priests to follow and to do. and then the priest then give it to the lesser priest to follow and to do. and the lesser priest give it to the community to follow. And to do. So, technically speaking, um, depending upon what level you are, there is an amount of knowledge you're supposed to have and an amount of roles you're supposed to actually do. So, the king holds on to the highest of all these uh, knowledges and these roles, but he passes on or he delegates certain roles and knowledge to the other priest to do and for the community to participate in also. Ok, donc à ta réponse, mon balimakasi, en fait, c'est une commande, c'est un ordre qui est donné au roi, mais c'est donné par Ra, et c'est Ra qui le fait. Et de Ra, maintenant, les responsabilités maintenant reviennent au prêtres. Et le prêtre va le donner. Enfin, le grand prêtre va le donner aux prêtres de moindre importance. Et puis de là, on va maintenant passer à la communauté. Donc, ce qu'il se passe ici, c'est que, en fait, il y a toute une série de connaissances que les gens sont supposés avoir. Donc, le roi est représenté comme la personne suprême. Après le roi, il y aura les prêtres. Après les prêtres, maintenant, il faudra donner cette connaissance au, donc à, la, à la communauté, au commun des mortels. Voilà. Ok, je comprends mieux. So um, this is the last bit I'm going to actually do and then open it up a little bit more. So over here, this is the comedic worship. Uh, and it says here, The king worships Ra at dawn, at his appearance, when he opens his ball and flies up to heaven as Khepri, entering at the mouth and coming out from the thighs. At his birth in the eastern part of the sky, his father Asar, Osiris, raises him on high. The arms of Hu and Huhet receives him. He takes his place in the dayboat. donc ça c'est un, euh, une célébration donc worship ici, euh, ici pour euh, le roi donc le, le matin on, on dit que le roi va euh, célébrer euh, vénérer euh, ré euh, tôt le matin et puis il va le vénérer lorsqu'il apparaît lorsque il ouvre his ball donc sa balle euh, son ballon j'imagine et qu'il qu vole vers euh, le ciel euh, à la direction de képris entrant par sa bouche et sortant de ses cuisses à sa naissance à l'est à la partie est du ciel son père osiris l'élève très haut ses mains de hou et de houette le reçoivent et il prend sa place dans la barque du jour donc ça c'est ce que est censé faire le, le roi et ce que fait le roi c'est ce que est censé faire le prêtre sauf que aucune de ces choses là pour les prêtres euh, de kémite de, de Paname là, euh, aucune de ces choses sont pratiquées, je te le parie So this is what uh, the king is supposed to do, and then the king will pass it to the priests, and so on and so forth. But I can reassure you that uh, those who are pseudo uh, kemetic people in Paris, I can uh, uh, you know tell you that those priests don't do any of the things that have been highlighted in this text. A hundred percent. Oh, yeah. <laughs> c'est normal 100%. parce que si c'est très tôt mais très tôt, ils vont aller toucher le smic au boulot donc uh, tout ça ils ne le peuvent pas le faire. So yeah because here it says that this starts very early in the morning at dawn but let me tell you that here early in the morning they don't have the time to do that they go to the job center you know to get the, the yeah. <laughs> oh man you're killing me. Oh frère tu me fais marrer. <laughs> <laughs> so um yeah this is my problem um, because such a central text okay one of the well-known most well-known texts that's everywhere we're talking about you know all of the great temples hatshepsut uh, luxor temple um, uh, medinet habu taharka all of these great uh, temples this particular text is written this is the central uh, theological treaty that the ancient Egyptian uh, civilization was built upon. But when have you heard this before? Who's taught you this before? We never get to hear this. We never get to hear the actual um, you know, teachings of Kemet itself, the central doctrine inside of Kemet. I've never heard it taught anywhere else. Never, ever, ever heard it taught anywhere else. And it just surprised me that we're so ignorant of uh, true Kemetic teachings. Alors, moi, ce qui, qui m'étonne, en fait, c'est que voici ici un texte, un texte capital, un texte central, et un texte que l'on retrouve partout. On le retrouve dans les temples de Hatshepsut, on le retrouve dans le temple de Luxor. C'est vraiment un traité capital, central, sur lequel la civilisation de Kemet était bâtie, mais cet enseignement on ne l'enseigne nulle part. et moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu ailleurs et je suis surpris. alors que c'est quelque chose que l'on devrait enseigner parce que c'est vraiment euh, le centre de la vie. c'est comme ça que la vie à kemet était organisée. mais on ne l'enseigne nulle part. excellent. Ok, so, um, again, we're going to talk about, uh, you know, the, the worship within side of kemet itself. Um, And I just want to get a few of these things just just down real quickly uh, before I open up the conversation about the knowledge and the roles um, you know the priests had to have. And and therefore, if the priest had to have this knowledge, we may not, as in laymen, may not need to know everything that the priest knew, but at least we need to know the value system of Kemet. We need to understand the mission of Kemet, we need to understand, you know, the purpose as us as human beings, what should we be doing on a daily basis? We should be waking up on a, on a daily basis to greet the sun in the morning, the sun that gave you life in the morning. It should be there to honor and revere the ancestors, whether it is, um, you know, giving them praise or, or saying words to remember them by, or if it's, you know, libations or food offerings. These are comedic practices that technically are shunned in the West Alors ici justement, on va parler de cette manière justement de célébrer dans ces, dans ces rituels. Alors il est évident que ce sont des, des concepts, euh, une philosophie que les prêtres devaient connaître de manière approfondie, mais il est évident que le commun des mortels ne pouvait pas tout tout connaître comme le prêtre, mais au moins euh, le commun des, des mortels devait justement connaître la valeur symbolique. Euh, qu'il y avait derrière cela parce que il était important pour toute personne à Kemet de connaître les valeurs de leur société de connaître la mission que chaque personne avait euh, et que les choses qui, que la personne devait accomplir euh, on va par exemple savoir que ben, il était important de saluer le, le le soleil durait euh, qu'il fallait donc euh, le célébrer euh, qu'il fallait se rappeler des ancêtres en clamant leur nom euh, qu'il fallait verser des libations donc toutes ces choses-là ce, ce sont des choses qui étaient fondamentales capitales pour euh, euh, les personnes à Ok. Okay. So in here it talks about how uh, the culture and the worship was preserved and transmitted. So It says here, hymns in fact are the prime vehicle through which the, theology, the mm, through which the theologians wow I can't pronounce theologians properly for some reason, forgive me, of ancient Egypt preserved and transmitted their thinking about the nature of the gods and their activity in the world. As such, they are the ancient Egyptian equivalent of the philosophical writings of the Greeks and the theological treaties of medieval uh, scholars much of what we know about ancient egyptian religion and philosophy come from such texts and in here okay. yeah okay So, euh, en fait euh, les hymnes en réalité sont euh, euh, le véhicule principal à travers lesquels euh, les théologies de l'Égypte ancienne étaient préservées et, transmi et, et, et transmises, et ces pensées euh, étaient transmises euh, euh, au sujet de la nature euh, des dieux et des activités dans le monde. De la sorte, c'est ce euh, l'équivalent de l'Égypte ancienne et les écrits philosophiques des Grecs. Et des traités, euh, des traités théologiques euh, des, des savants euh, médiévaux. La plupart de ce que nous connaissons de la religion de l'ancienne Égypte et de la philosophie provient de ces textes euh, en particulier. There is not a great deal of information about the hymns were actually used. Those composed in honor of a god were presumably recited. Or perhaps sung during temple rituals, um, but you say we don't have we don't literally know how they were pronounced or how they were sung or articulated, but we do have the hymns in writing form. Donc euh, il dit ici que donc le frère Adam explique que la plupart des hymnes qui sont présentés, on ne sait pas comment c'était prononcé. Mais au moins on a les textes. Et donc je lis la deuxième partie ici, qui dit qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur la manière dont les hymnes étaient actuellement utilisés. Ceux qui étaient composés en, en, en l'honneur d'un dieu étaient, on, 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 le, on, on imagine, que c'était récité ou peut-être chanté lors des rituels dans les temples. The word doa. Worship is possibly related to the noun du'a'u, mourning. If so, hymns with this word in their title may have been recited at dawn, the beginning of the Egyptian day. Some hymns, in fact, have specific titles, such as du'a ra kheft ubenuf m akhetet abtet net pet, worshiping Ra as he rises or as he's right. Worshipping Ra at his rising from the eastern achet or the eastern horizon of the sky, the titles of other hymns tell us they were meant to be recited at midday or sundown, and there are also some collections with hymns for each hour of the day and night. Wow, impressive! Donc en gros, je vais résumer vraiment ce que le frère vient de dire. Il dit, uh, par exemple, ici, on voit uh, the word dua. Donc le mot dua qui veut dire Euh, célébré était probablement euh, lié au nom et il l'a en fait expliqué en fait lié au, au, au nom euh, qui veut dire le matin. De la sorte, euh, les hymnes qui étaient rattachés à ce nom matin, et eh bien c'était des, des hymnes qui étaient en fait récités le matin lorsque le commencement de la journée égyptienne euh, commençait. Et la même chose allait se faire euh, par rapport euh, euh, aux hymnes qui avaient le nom du soir. Donc ça veut dire qu'il fallait euh, célébrer Ra euh, le matin parce que c'est lié au matin. Il fallait le célébrer le soir parce que c'était euh, lié au soir. Donc euh, les titres des autres hymnes, en fait, euh, veulent simplement signifier qu'ils étaient célébrés à d'autres moments de la journée, soit le, au lever ou au coucher. Mais ce qui est important, c'est que il y avait des hymnes. For chaque heure de la journée et de la nuit. so for me, just like uh, mobali, i have uh, the same criticism. those of us who claim to be comedic, are we waking up at sunrise? are we uh, portioning out some of our day, i.e. during midday, portioning out some of our time during uh, sunset to recite hymns? To recite worship, uh, to have you know the 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 deity or deities, depending on on what you worship, in mind. Do we have the ancestors in mind during these days and times? Do we have ourself and our purpose and mission um, recited during these days and times? And you know the, the the answer is no, because we don't even know that we're supposed to be uh, worshiping throughout the day. Most of us don't know that. Uh, most of us think that the worship is only for the christians or the muslims no the Kemetics, they actually worshipped they actually sung hymns they danced um, you know they did all these actions you know they gave libations they gave uh, food offerings they all did all these things in remembrance of uh, their creator and sustainer and in remembrance of the ancestors also Donc effectivement, je partage l'opinion du frère Mobali Makasi et je critique de la même façon qu'il le fait. Et combien de personnes euh, qui se disent soi-disant des prêtres kémétiques, euh, combien de personnes justement se lèvent au même moment que le soleil, ont des hymnes euh, qu'ils vont pratiquer, euh, chanter à midi, qu'ils vont chanter au coucher du soleil, combien de personnes vont réciter ces choses Combien de personnes vont, faire, vont réciter des, des textes en mémoire de certaines divinités Combien de personnes vont garder à l'esprit durant la journée et citer les noms de certains ancêtres Alors que les Égyptiens, eux, ils savaient qu'ils avaient un but, ils avaient une mission. Mais nous ici, beaucoup d'entre nous ne savent pas. Euh, ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que je critique et je partage vraiment l'avis de Mobali Makassi. Beaucoup d'entre nous pensent que seuls les, les chrétiens, seuls les, les musulmans vont chanter des hymnes. Alors que non. À Kemet, on chantait des hymnes, on dansait, on versait des libations, on offrait de la nourriture. Parce que c'était important pour notre peuple de d'avoir, il parle de remembrance. Il fallait se rappeler à chaque moment de la journée que c'était chaque heure était connectée à une divinité et il fallait le faire. So um, over here, we're just going straight into. um you know the temple literature because as we said before um do nothing according to your heart but you should look at the old writings so we're going straight back into the old writings to kind of figure out where you know how what did the kemetics what did they learn what 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 was their storehouse of knowledge you know, how did they cultivate, um, you know, their intelligence? How did they cultivate such a high society? And in here we have uh, the temple library, uh, which is inside of the Trismus Gestus. Uh, uh, I think his name is Kim Reiholt, divides the material in three broad categories. Uh, cultic material is 50%, narrative material 25%, and other non-cultic, uh, mainly scientific texts, into 25%. Um, and in there, you have various different books, um, which we will be drawing from, especially the Book of the Temple. But you have other books as well, which is the Book of Thoth, Book of Fayum, Book of Nurut, uh, opening of the mouth ritual, the offering rituals, musical notations, hieroglyphic dictionaries with commentary, and um, an omasticon. Also, um, so we're going to be going into some of these texts. Um, but in particular, we shall be going into the book of Temple. And I would really love, okay, really, really love for my French speaking uh, brothers and sisters to, you know, get a hold of these books because most of these books are actually written in French. It's not even written in English. I have to go on to Google Translate or speak to French speaking <laughs> people to help me to understand what it is. And I don't want to speak French. So, you know, like, trust me, there's a wealth of Egyptological um, writings out there that is just written in French. And you guys have a head start more than everybody else. Wow. Donc en fait ici on va parler de la littérature euh, comme pratiquée dans les temples. Alors il s'agit ici des anciens écrits, il parle de old writings. Et, et dans ces anciens, dans ces, dans ces documents écrits, on va justement apprendre et connaître comment est-ce que nos anciens euh, euh, ancêtres apprenaient à connaître. À Kemet. Et on va également apprendre non seulement ce qu'ils apprenaient, mais la manière dont ils cultivaient et conservaient leurs connaissances. Alors, il est important de savoir que, et au cours de cette présentation, on va puiser de manière profonde dans le livre du Temple, dans le livre de Thoth, dans le livre de Fayoum, dans le livre de Nout, dans le livre du rituel de l'ouverture de la bouche. Et on va euh, apprendre dans les rituels d'offrandes, on va apprendre dans le dictionnaire hiéroglyphique et également dans les différents commentaires euh, qui sont euh, écrits, mais également dans le bouquin qui s'appelle Onomasticon. Alors, ce que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment dire à la famille ce soir, c'est que vous, en tant que personne qui parlez le français, vous avez, il dit, a head start. Donc, vous avez la vie qui vous a été rendue facile parce que moi, qui ne parle pas français, j'ai accès à ces bouquins euh, dont on va parler ce soir, qui sont écrits en français. Et moi, qui ne parle pas français, je devais me casser la tête avec Google Translate euh, pour euh, pour traduire. Alors que vous, ce sont des choses. En fait, vous n'avez pas d'excuse parce que ces écrits dont on va parler ce soir sont écrits en français. Et donc. Puisque c'est la langue que vous parlez, en fait, vous, vous n'avez pas d'excuse, en fait, parce que vous avez, il dit, you've got a wealth of knowledge. Vous, vous avez une bibliothèque de connaissances en langue française, et, et donc euh, pour vous, c'est, vous n'avez pas besoin de traduire puisque vous parlez déjà cette langue et ces écrits sont écrits dans la langue que vous vous parlez. three weeks ago i came to paris i came i visited the louvre i was upset that i only spent i only booked a day to come to paris the louvre itself it had at least three floors of egyptian um, material in there I was like a kid in a candy store. Going through all the all of the stuff there in the short space of time that I had, speaking to the staff members. I'm like, I'm reading the hieroglyphs, I'm reading the name. I'm like, why is the name scrubbed out? What's the name of this particular mummy with inside of um, I can't remember which floor it was. I think it was the second floor. Why it's called the mummy? I'm like, why doesn't this mummy have a name on it? Everywhere on the mummy, there's hieroglyph writings, but just where the name is, is scrubbed out for some reason. Wow! And I'm like, why is that? You know, it, it was it was perplexing me. And they they was going back, you know, they couldn't find the name of the mummy. And I'm like, yeah, I was, whoever I was with, I'm like, literally the name is right there, written there, but it's been scrubbed out, and I don't know why. But nobody else knew why it was scrubbed out. Nobody else knew, um, wow. you know, the name was even missing itself. So. It's incredible how much how much is actually there um, in the Louvre, and I just wish I had a whole week to spend just learning more. So again, you guys, you guys are literally miles ahead of the rest of the world. Donc, vous, et là je reviens et je remets encore une couche, en tout cas, vous qui êtes en francophonie et plus particulièrement vous qui êtes à Paris et qui avez accès au Louvre, je dis, je dis vraiment que vous, vous avez une longueur d'avance par rapport à tout le monde parce que il y a quelques semaines, justement, j'avais fait un voyage et je suis arrivé à Paris et à Paris, j'avais fait que j'avais réservé un voyage d'un jour seulement et je vais au Louvre. Et quand j'arrive au Louvre, il dit I was upset. Donc, quand je suis arrivé là, en fait, euh, j'étais en fait énervé de ne pas avoir réservé plus de temps à passer au musée du Louvre. Et ce qui se passe, c'est qu'au Louvre, vous avez trois étages qui sont consacrés à l'Égypte. Et donc, euh, moi, je me suis retrouvé comme euh, un enfant, justement, qui se retrouve dans un magasin où il y a plein de bonbons parce qu'il y avait tellement de connaissances et j'avais n'avais qu'une seule journée. Donc, je n'avais pas assez de temps pour pouvoir euh, donc, euh, apprendre tout ce que je voulais apprendre mais ce qui va vraiment m'énerver c'est que moi comme j'adore la connaissance eh bien je vais lire et je vais par exemple aller vers une momie et je vais commencer à la lire et chaque fois que je lis une momie à chaque fois que on doit donner le nom de la personne qui est momifiée, le nom de cette personne est effacé. Je vais vers une autre momie, je lis, je lis, et quand il s'agit de lire le nom de la personne qui est momifiée, le nom est en fait euh, euh, effacé. Et je demandais chaque fois au personnel du, du musée, je, je, je dis mais quel est le nom de la personne qui était momifiée Et même ces personnes ne savent pas me dire. Donc euh, à chaque fois, c'est vraiment comme si c'était euh, intentionnellement que les noms des personnes momifiées on les avait effacés. Donc euh, voilà un petit peu et ce qui fait que les gens sont perplexes, ils ne savent pas me donner une très très bonne réponse. Mais la réalité c'est que vous qui êtes sur place et qui avez accès à cette connaissance, eh bien vous n'avez pas d'excuse. Voilà. J'ai une question pour le frère. Est-ce que ça a ah, changé parce question. que la dernière fois que j'y étais, je t'avoue que euh, il y avait tellement peu de noirs que les gens ont fini par croire qu'on faisait partie de la sécurité. Est-ce que ça a changé? Est-ce que quand tu es parti là-bas euh, tu as vu que en fait les gens qui s'intéressent à ces sujets-là il y a que des étrangers en dehors des noirs eux-mêmes so uh, the question to you is et uh, je uh, and i can already answer that because at the british museum <laughs> it is the same thing uh, the question to you is when you went to the museum le louvre uh, Because we don't have that many brothers and sisters who are interested in this, uh, the little uh, number of people that you see, you always believe that they are part of the security uh, of, of the museum rather than visitors. Uh, did you have the same uh, experience? Do you, do you have the same uh, view? I, as far as I can recall, I didn't see any brothers or sisters there at all. Um, <laughs> Any. Um and it was quite amazing actually because it, you know there were visitors there from the UK as well, and they were like, Oh, we should just follow you because you know you're you could be our tour guide. And I was like, <laughs> it was funny. It was so funny. <laughs> <laughs> alors euh, en, en fait moi ce que je vois c'est que quand j'étais là au Louvre ben j'ai pas vu les Camites en fait j'ai pas vu les frères et les sœurs alors ce qui, ce qui était marrant c'est que quand même j'arrive là- bas euh, je tombe même sur des visiteurs qui eux venaient du uk et c'était intéressant parce que les gens se rendent compte de ma, de ma connaissance c'est les gens maintenant qui me disaient mais en fait tu devrais être notre euh, guide et, et nous on va te suivre à travers le musée donc c'était assez marrant quand même Go ahead, bro. Yeah, all right. So back to, um, you know, you're going to keep on hearing this from me. Do not anything according to your heart, but you should look at the old writings. So a lot of people, um, you know, they 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 say they have a temple. They say they have a shrine. They say they have all these things. And I'm always like, okay, you say you have these things, but under what authority? Under what authority did you have these things? Is it Kemetic? authentically kemetic did you start this uh temple based upon you know kemetic writings or again is this something that you have invented from your own fantasy from your own imagination from your own heart cuz i want to know before i step into something what is it i don't mind if you've invented it but just 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 label it on the tin just just let me know that you have invented this versus it versus it being authentic let me know it's a replica Donc en fait voilà je vais je vais vous saouler mais je vais vous répéter la même chose uh, over 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 again en fait donc comme j'avais dit au début ne fais rien et c'est c'est écrit dans la partie bleue de l'écran ici il dit ne fais rien selon ton cœur mais au contraire tu devrais regarder les anciens écrits donc une manière de nous, de nous répéter que les choses, c'est n'est pas ce que euh, tu t'inventes tu toi-même, mais tu te réfères à ce qui a été écrit, tu te réfères tu te, toi, toi, te référer à, à l'histoire. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, euh, vous savez, j'ai un hôtel, vous savez, j'ai un temple, euh, et, et moi je pose la question, under what authority C'est quelle autorité justement qui te donne la possibilité justement d'avoir un temple, d'avoir un hôtel, des choses de cette sorte. Il dit est-ce que ce que tu fais est authentiquement kémète, euh, kémétique Parce que est-ce que c'est quelque chose que tu fais en, en suivant ce qui a été écrit ou bien tu t'es inventé ton propre monde C'est quelque chose qui vient de ton cœur Est-ce que c'est quelque chose qui est juste un fantasme Parce qu'il y a même des gens qui viennent et ils disent voilà, j'ai tel objet, j'ai telle chose. Moi, je dis est-ce que tu as quelque chose qui est une copie, donc un réplica, ou bien c'est quelque chose qui est vraiment le vrai des vrais Ça, c'est vraiment une question que je pose souvent aux gens. OK. Donc, so, uh, over here again, uh, from Joachim Quack, uh, for Frederick Joachim Quack. He writes here: The book of the temple is an enormous manual about the ideal Egyptian temple, its architecture and the way it should be run. including a detailed list of the rights and duties of all different categories of priests and temple employees it says here there is a description of which rights duties and work assignments many different kinds of priests have uh, than from other sources okay so oh, okay. yeah go on Super donc euh, ici donc l'auteur Joachim quack euh, écrit dans son dans, ce, dans cette partie ici du slide il, il dit que le livre euh, du temple est un manuel euh, énorme justement qui parle euh, du temple idéal égyptien il parle de son architecture et de la manière dont ce temple fonctionne et ça inclut une liste détaillée des devoirs et des activités que tous les prêtres doivent faire en, en, en fonction de leur catégorie et en fonction des employés dans le temple. Donc, euh, il, en fait, il, est, il dit ici qu'en fait, qu'il y a une description méthodique euh, de chaque euh, obligation, chaque activité, chaque work assignment. Donc, chaque, euh, on va dire ça comme ça, devoir que les différents types de prêtres. Euh, devait euh, réaliser. Et, et ça, c'est détaillé ici et c'est mieux que dans toutes les autres sources. Et je vais send envoyer des photos. Ok? Je vais send envoyer des photos. Et je sais que beaucoup de ces shrines et temples ont have bonnes intentions et they font du bon travail. Donc je ne vais pas based envoyer des photos basées sur vos works, mais je vais to envoyer des shots basées sur vos fondations. all of these shrines and temples are false faulty and fake <laughs> and the reason why I can say that with such conviction is you have not gone back to the old writings you have not gone back to the book of temple there's literally an operating manual right you know if you wanted to 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 do a McDonald's franchise there is an operating manual that will tell you all the roles the responsibilities the diagram of what goes where how to operate it and so forth right there is that there is this exactly same thing for kemet to have a kemetic temple and the reason why I know they don't have it is because it's written in French and really and truly it's the french brothers and sisters that should be leading the way with the french sorry with the Kumaic temples let me get this let me let me let me get this do uh, la la je suis pas en train de lancer la pierre À nos frères et sœurs. Et je vais pas leur lancer la pierre parce que j'ai envie de le faire ou parce que j'ai envie de faire mal. Euh, je vais dire ceci, quelque chose de très important. Tous nos frères et sœurs là, qui font le temple ceci ou le rituel kémétique cela, il dit trois choses, mais d'une façon différente. Il dit false, faulty and fake. Donc ceux qui font ces rituels, ceux qui, soi-disant, font les rituels de tel temple ou de tel temple, ce sont des faussetés, ce sont des choses, c'est bancal, et en même temps, c'est du n'importe quoi. Et pourquoi je le dis avec une telle conviction Je le dis avec une telle conviction, justement parce que c'est lié à ce qui est écrit dans la partie droite de l'écran ici. Il dit, ne fais rien avec ton cœur, réfère-toi aux anciens textes écrits. Pourquoi Parce que ces textes dont on parle ce soir, il dit ⁇ It's your operating manual ⁇ C'est ton mode d'emploi. Vous et moi savez très bien que si vous voulez ouvrir une franchise de McDo, on va vous donner un manuel opératoire. On va vous dire que un McDo, ça se gère comme ça. Votre nourriture va être cuite en autant de secondes, à autant de températures, présentée de telle et telle façon. Donc, on va vous donner un manuel A plus B plus C, comment les choses doivent être faites. Et je dis ceci ce mode opératoire, ce manuel du, du, de, de, de l'utilisateur, il est écrit en langue française. Ce qui fait que ce sont nos frères et sœurs francophones qui devraient ouvrir la marche c'est eux qui devraient être devant. Because eux have the mode d'emploi, donc c'est eux qui devraient nous apprendre. Okay. So this is a uh, sum of the uh, translation of the book of the temple. And over here this is highlighting uh, the schoolmaster and what he is supposed to teach, um, or how he's supposed to conduct um, the the schooling of the pupils. So it says here, it's quite a long read. So therefore, I'm just going to cut to the highlighted elements. Okay, it is him who reads the writings. As for the one uh, among them who is initiated into the place of his father, it is him who instructs him about the tremelo. The adulations, the intonations of songs, and the screeching. It is them who teach them all the rules of the temple concerning the behavior and going in and out in all their doings, in all their services in the temples concerning all the rules for performing the daily cult. Um, and it proceeds to talk about the regulations which is mandated to the overseer of. Instruction to guide the children of the prophets in order to introduce them to the God's words, to let them grasp all customs of Upper and Lower Egypt, all specifications of the gnome in question, together with all customs of the king's palace in the first module. Um, and it goes on to talk about the second module, the third module, and the fourth module, but I don't want to bore you. Um, and I would love for you guys. To go and get the French. I'm going to pull it up afterwards. Um, the actual French manual for this. Aché, aché. Donc, euh, je vais pas vous prendre la tête pendant, pendant longtemps et j'ai la chance que je pourrai vous montrer un petit peu plus tard le manuel en français pour que vous puissiez euh, donc le prendre. Alors, euh, ici, justement, c'est tiré. Euh, du fameux Book of the Temple, donc le livre du temple, et c'est un écrit dans lequel justement on va montrer le rôle, la fonction de, du maître d'école. Euh, donc on va de l'enseignant et on y montre la manière dont cet enseignant se comporte par rapport à ses élèves. Donc euh, on dit que euh, une, un, un, un des rôles, désolé la famille, ah, je dois éteindre mon téléphone, excusez-moi. Désolé. Euh, donc en fait, euh, l'enseignant c'est celui qui lit les écrits. Euh, As for the one. Donc c'est celui qui va initier. Euh, c'est celui puisque c'est celui qui est initié à la place du père. C'est lui justement qui va donner l'instruction avec le tremelo. C'est lui qui va, parler, qui, qui va donc enseigner les adulations. C'est lui qui va donner la manière dont les euh, qui va en fait donner l'intonation des chants. Euh, C'est également lui qui va enseigner les, les règles, les règlements qui vont être observés dans le temple euh, en ce qui concer, concerne le comportement. Concernant les règles euh, de la manière dont on va justement euh, passer euh, ou en tout cas célébrer les cultes euh, euh, les rituels euh, du, du culte de manière euh, euh, journalière. Alors euh, on parle dans ce dans, dans ce livre euh, di, de, du Temple de la régulation c'est-à-dire qui est en fait établi par, euh, par, euh, par la personne qui est responsable de cette instruction dans le sens qu'il s'agit de la manière de guider les enfants euh, donc les enfants du prophète de la manière à ce que on puisse leur apprendre les paroles divines de, par, de sorte que ces personnes puissent les comprendre et puissent devenir euh, euh, familière euh, de aussi bien de la Haute-Égypte que de la Basse-Égypte et que donc toutes ces spécifications, elles sont présentées euh, dans différents modules et on parle euh, du premier module, du deuxième module et du troisième module. Awesome, ok, um, let's see, in the background, I'm just trying to find this particular book in French uh, for the audience um, to have. Um, but we'll go on, we'll continue. Um, so in here, you know, it goes through the different uh, knowledge that the priests, uh, the titles that they had and the books of knowledge that they needed to learn. Um, I, I don't want to bore you with all of this, um, so i'm just going to continue um, going through it. and basically the whole point of it was just to show that the same uh, teachings that was mentioned inside of the Kemetic cult theology, uh, theological treaty um, on the temples was also written with inside of the temple uh, books, such as uh, the Book of the Temple, um, which is also spoken about by Clement of Alexandria. So it's the same uh, groups of information that they had to learn, and then it continued onwards. So I just wanted to show the continuity of um, you know, the ancient Egyptian uh, knowledge, what they had to learn as a priest, and you know what the actual temple libraries hold to show that it substantiates exactly what the cult theological treaties stated, um, as well as you know Greek speaking uh, scholars, what they said that the uh, priest also had to learn, you know, coincided with the library teachings with the cult theological treaties also. Donc en fait, ce que le frère Kalam essaye d'expliquer ici, c'est vraiment une méthode scientifique qui est que on ne se base pas sur une seule source, mais on va faire des recoupements avec plusieurs autres sources pour essayer d'établir si ces sources disent la même chose. Donc en gros, euh, donc on, on a vu avant qu'il y avait le livre du Temple qui raconte un petit peu comment les choses se passent, comment est-ce qu'on enseigne à un enfant, que fait le prêtre, quelles sont les, les règles à respecter, quelle est la mission, la fonction de chacun. Mais il est également évident que les traités théologiques disent exactement la même chose que ce que dit le livre du Temple. Et c'est également important, c'est que dans la bibliothèque du Temple, donc il parle de Temple Library, on dit également la même chose. Et aussi, les savants grecs vont également dire la même chose et donc c'est en cela que on voit que les quatre différentes sources disent la même chose et c'est pour cela qu'on peut être certain que ce qui est dit ici euh, c'est vraiment euh, la référence euh, qu'il faut qu'il faut suivre excellent ok So uh back to comedic worship um you know again just to substantiate um you know exactly what the cult theological treaty states uh what the textbook states we also find it substantiated within side of Chimeron, uh, who was also an egyptian uh priest which is cited in porphyry um, which is another greek uh, as well it says here they as in the Egyptians, divided the night into times for observation of the heavens and sometimes for ritual, and the day into times for worship of the gods. They sang hymns to the gods three or four times at dawn and at evening when the sun is at noon and when it is rising. For the rest of the time, they were engaged in the study of arithmetic or geometry, always working at it and adding to their discoveries and altogether committed to practicing it. So again, we can see that, you know, the ancient Egyptians had a practice of praying, you know, three or doing singing hymns three to four times a day. Um, sunrise, sun um, at noon and sunset and in the evening. So we know, this is just my little comment, that uh, those from an other religion where they pray five times a day, we know where they got it from. 100% so just like the jews jews actually pray three times a day um, you know the quran um, on islam initially was three times a day before they changed it to five times so we can see that you know i don't want to i don't want to say that they got this from ancient egypt um, but i would like to draw that compare that that uh that parallel that yeah. ancient egypt predates all of these religions oh Correct. sorry christianity also has the praying three times a day as well um it predates all of these religions and uh you know we had this already exactly that's that's the point that i was trying to make donc uh, yeah. la famille j'essayais de 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 dire quelque chose comme ça là En fait, voilà, je vais d'abord traduire, puis après on va euh, expliquer ce que je voulais dire. Donc en fait, euh, les anciens égyptiens, les anciens égyptiens en fait euh, divisaient euh, la nuit en plusieurs temps pour l'observation du ciel et parfois pour des rituels. Et le jour est également divisé pour euh, célébrer euh, ou vénérer les dieux. Alors c'est en vert et en rouge ici à l'écran, il dit chantait des hymnes aux dieux trois ou quatre fois le matin et le soir lorsque le soleil se lève lorsqu'il est à midi dans le ciel et lorsqu'il se couche pour le reste du temps les égyptiens étaient engagés dans l'étude de, de l'arithmétique et de la géométrie toujours travaillant donc dans ces sciences et rajoutant cela à leur découverte et, de, et donc de la sorte, justement, ils étaient engagés à pratiquer ces sciences-là. Alors, du coup, je dis aux frères, donc en fait, euh, quand on voit les autres et j'ai pas cité la religion, donc les autres qui prient euh, cinq fois par jour, on sait d'où ils ont copié cela. Alors, le frère Kamal, il, euh, Kalam, il dit, je ne dirais pas qu'ils qu l'ont copié de nous, mais je dis simplement que nous, on le faisait déjà avant eux. Et quand donc de la sorte, euh, il se trouve que voilà, c'est une inspiration qui devrait avoir tenu de ces personnes, de, de notre euh, civilisation à Kemet. Donc les, 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 d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, ils observaient le ciel et le, la plupart du temps, ils faisaient euh, les mathématiques. Oui, donc euh, la journée est divisée en plusieurs euh, parties et que chaque partie justement euh, il y avait des hymnes qui étaient associés à cela et on passait du temps donc euh, à chanter des hymnes trois à quatre fois par jour, on, on le faisait le matin, on le faisait le soir et quand on ne faisait quand on chantait pas les hymnes, eh bien, on s'engageait dans l'étude de l'arithmétique et de la géométrie et chaque fois rajoutant de la connaissance et étant engagé justement à pratiquer euh, donc les tout ce qui est scientifique. Voilà, donc maintenant vous savez quelles questions il faut poser à toute personne qui va se dire prêtre kémite. Posez-lui des questions <laughs> sur ses connaissances en, en mathématiques, posez-lui des questions sur le plan astronomique, et s'il vous répond sur les étoiles, s'il vous répond sur les équations mathématiques, à ce moment-là, les amis, vous pouvez le suivre. Mais si c'est un bras cassé, les amis, fuyez, fuyez, fuyez. So, Brother Mobile Makassi is, uh, you know. Uh, throwing a shot at uh, some some people and, and say you know that next time that you will see a comedic priest you know ask him how well he's doing his math his arithmetic because uh, if he's not able to answer uh, it means that you have to run far 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 away from them because the only way to find out who they really are is through their knowledge of uh, arithmetic and geometry and science and astronomy so so on and so forth. There you go. that's it. And again, I always wanna reiterate it that Kemet, the philosophical system, it's a philosophical system as well. And it's heavily is heavy on academia. It's heavy on science. It's heavy on that. So it's not this, you know, belief system, it's not this airy fairy stuff that people think it is. No, it's rooted in, you know, it's rooted in academics. Alors, ce que, ce que je devrais rajouter, c'est que, en ce qui concerne Kemet, vraiment, euh, la philosophie a une place centrale. Il faut vraiment savoir que à ce c'était pas euh, une croyance aveugle. Vraiment, l'éducation, la manière de la société d'être, de, de, c'était vraiment basé sur les sciences. C'était basé sur la philosophie, et ces éléments étaient vraiment, euh, il disait rooted. C'était vraiment euh, ancré, enraciné dans la manière de fonctionner de notre peuple à Kemet. Yeah. All right, so I think we're coming to the end right now. and uh you know again i just want to say to all of my comedic brothers and sisters out there you know please you know stop it get some help stop making stuff up it's not good okay i don't want to hear that you know the aliens built the pyramids or you know i don't know these wild stuff that people are coming up with stop it um it says here um again this is my motto and it's not my motto. It's not even my argumentation, as I said before. Is the argumentation of the ancestors, and they say here, do not anything according to your heart, i.e., don't make things up, but you should look at the old writings. What old writings? We find these writings written on the walls, temple walls, pyramid walls, um, tomb walls. We find it written, um, you know, coffin texts, Book of the Dead. You know all the scientific texts, the t uh, temple library, all of these writings. We can gain understanding of the culture and high uh, and so high society and sophistication of the Kemetics themselves by just going to their writing. It says here, pass the directions of the temple, right? And again, we've gone through the temple teachings, right? We went through it. it says here, pass the directions of the temple in your hands as an instruction for your children. You yourself should have these books in your hand. You yourself should make these texts one with you. And you yourself should be able to pass on these instructions and teachings and guidance to your children to grow up with that Kemetic culture, Kemetic philosophy, Kemetic values. And I'm not saying that we should um, negate our own personal culture. I'm just simply saying if you recognize the the greatness of Kemet right one of the greatest civilizations to ever existed if not the greatest longest running civilization to ever exist and we recognize that as african excellence and we identify as african and we would like to get to to that state again of african excellence that is the greatest model to model yourself after Alors moi je dirais que à nos frères et sœurs euh, euh, qui sont soi-disant en train de faire cette pseudo euh, euh, approche de ce qui se faisait à Kemet, moi je dis, il dit, please stop it, il dit, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, parce que arrêtez la fabrication de ce que vous faites là. Arrêtez tout ça parce que j'entends toujours des bêtises du style, euh, ce serait euh, des Martiens ou, ou, ou des gens venus de quelque part et qui auraient euh, 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 bâti les, les pyramides. Il, il dit, tout se sait parce que ça a été écrit dans les anciens textes. Et c'est ce que j'ai démontré euh, ce soir, et ce n'est même pas mon argumentation, mais c'est ce que nos anciens ils disent. Il dit, ne faites rien selon votre cœur. Mais au contraire, vous devriez vous référer aux anciens écrits. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez vraiment passer la direction euh, du temple et que vous devez en fait prendre la connaissance dans vos mains et l'utiliser pour instruire vos enfants. Parce que vous devez justement acquérir cette connaissance, vous devez prendre cette connaissance et justement maintenant prendre cette connaissance en main de sorte que vous puissiez enseigner à vos enfants et la boucle continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces textes, ces références, cette connaissance, elle est partout. On la retrouve dans les tombes, on la retrouve dans les temples, on la, on la retrouve dans les, dans les cercueils, on les retrouve dans des bibliothèques. Vous devez avoir accès à tous ces endroits-là pour pouvoir, il dit, to gain understanding, que vous puissiez obtenir de la connaissance parce que en, en connaissant vous allez grandir ce qui fait que je suis pas en train de dire que donc il dit I'm not saying you should negate your own culture il dit que vous ne devez pas effacer mettre de côté votre culture mais ce qui est important c'est que si vous reconnaissez que euh, la civilisation à Kemet c'était la plus grande c'était le niveau d'excellence et que nous, on doit parler de l'excellence africaine. Et que moi-même, je conçois que je veux viser l'excellence. Eh bien, je dois utiliser cela comme modèle pour pouvoir avancer. C'était le message que je voulais donner. Pour toi, tu dis vraiment, frère. Je suis content euh, qu'il ait fait euh, cette démarche de venir, d'accepter déjà de venir sur cette chaîne, nous faire partager ce qu'il avait déjà fait. Euh, sur la chaîne du frère, euh, comment il s'appelle déjà Saneta. Effectivement, j'avais suivi ça là-bas aussi. Et je voulais vraiment qu'il puisse partager ça du côté, au côté francophone, parce que ces informations sont quand même assez capitales. Ça aurait été dommage que ça reste dans le monde euh, anglophone, d'autant plus que beaucoup de ses livres, comme il l'a dit, ben, sont disponibles en français. Donc euh, voilà pourquoi je voulais vraiment qu'il vienne ici partager ça, pour que son message ait encore plus d'écho. Et qui puissent être entendus par des personnes qui sont dans une démarche de vérité, qui avaient juste besoin d'avoir les, les bons livres pour commencer à faire des choses correctement. Donc, traduit d'abord cette partie. So before translating, brother, you were going to show the uh, French version of the book. Could you yes. show it, please? Um, I'm still looking for it. Um, okay. I found the actual website uh, okay. that has perfect. The... Collection of all of the writers Perfect. To find which one. I'm so good. Before we do the, the, the screen share, I'm going to say to the family. Donc, je disais aux, aux frères avant, euh, est-ce qu'il y a moyen que tu nous montres justement ce, ce, ces références en langue française pour que les frères et sœurs puissent uh, uh, acheter? Donc, il dit justement, il a un site où il va montrer les, les différents bouquins. Donc, je continue en disant. Uh, so, translating Brother Mobile in case, he said, he said, uh, Uh, I'm very pleased, and that's why he was clapping hands for you and, and saying that uh, he was keen to invite you tonight to come and share your knowledge because he says he wanted to amplify your message because in French we say faire écho, so to make your message bigger, be seen far and wide because you did it with Brother Sarnetter and I felt that uh, it would have been a waste that you just speak to our english-speaking brothers and sisters and those of us who speak french cannot access it so that's the reason why i wanted you to come and because as he clearly said he says because you are speaking the truth uh, i wanted that truth to be heard tonight so that's the reason why i am pleased and i invited you here merci merci i'm so grateful to be here and to be speaking to um, you know the french community i've been Trying my very best to learn as much as possible. Um, and I'm loving the French culture, to be honest with you. So I hope to have much more continuous um, appearances um amongst the French community. Um, you know, I'm quite fond of the Cameroonian, the Congolese, and let me see, who else did I meet up? Senegalese, uh, right. you know, French individuals and communities out there. So, so salute. Just, just to let you know before I translate, Brother Mobali Makasi has a has a tradition when we finish the program, our uh, viewers vote, and then if they vote that they want you back, trust me, we will find your passport and we will bring you back. <laughs> 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 but, uh, Oui. Euh, donc euh, le frère il dit que franchement je suis vraiment, il dit I'm glad to be here, je suis très content d'être ici et de pouvoir apprendre et je me dis que simplement que l'apprentissage je la vois de manière continue, euh, vraiment je suis très 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 heureux, j'essaye du mieux que je peux. D'apprendre le français, c'est une langue vraiment que je kiffe et donc, franchement, j'aimerais l'apprendre et je fais de mon mieux. Et je trouve simplement que j'ai des affinités avec notre peuple, notamment les frères et sœurs du Cameroun, du Congo, du Sénégal. Et donc, euh, je suis content d'être ici. Et, et à ce point-là, j'ai donc signalé que le peuple votera et, et si. Euh, il est, il est voté à 5, euh, il n'aura pas le choix. On va lui confisquer allez -y, allez -y. son passeport. On va lui confisquer son passeport et, et donc euh, le faire venir de force s'il le faut. En tout cas, euh, vraiment, frère, merci pour euh, la démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes euh, qui, pour une, simplement euh, une démarche de vérité, puissent dire les choses en, mettant les, en laissant parler les documents. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne nettoyons pas, personne ne le fera pour nous. Et c'est dommage que les aînés ne l'ont pas fait, que nous, les, les, les plus jeunes, qu'on puisse maintenant essayer d'enlever de, 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 la poussière. C'était pas nous de faire ça. On aurait été censé. Il y a tellement tellement d'aînés dans ces histoires-là qu'on on aurait été dans un truc déjà propre. C'est dommage que ce boulot-là n'ait pas été fait, pas été fait. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc c'est pour ça que moi j'encourage le frère. À continuer dans cette démarche de clarté bon c'est vrai que ça enlève du pain à certains qui se font de l'argent avec l'ignorance des autres mais c'est pas grave ils trouveront un autre boulot euh, le kémitisme c'est pas c'est pas un boulot ils feront autre chose ils feront les boueurs ou qui m'appelle je les j'ai quelques plans <laughs> euh, pour eux voilà <laughs> très... just throwing some shots at people and, and saying that uh, he's very respectful of your he's admiring your approach uh, which is based and his foundation is the truth and uh, the fact that uh, you don't do emotion you do the documentation instead and and then he says uh, he's very happy because he, this is his philosophy and he's glad to see that you do the same thing where we need to clean up our own house uh, because uh, it was not—it's not our responsibility to clean the house because our elders should have done it to start with. But since they are not doing it now, we we, we just see ourselves do, doing it. And then he says, "It's never too late." But the reality is, everything that we do, we need to do it with clarity. And then he says that. Um, He's encouraging others, the so-called pseudo-Chemetic priest among us, and, and say that uh, they have to work and they have to work for the truth and then uh, they should not treat uh, chemetism as a source of income because they should stop that kind of uh, work and then if they're looking for jobs as a as a binman or something like that i've got some options that i can offer them and, and uh, <laughs> <laughs> so this is what, what the mobile matasi was was said <laughs> voilà bon en tout cas frère est-ce que tu as uh, tu the la liste des livres en français Ce qui aurait été vraiment intéressant si tu pouvais le faire. So, if you have uh, found those books that you can maybe show us on, on a screen share, and then I'm just saying something in French to Brother Mobile and Macassie, n'oublie pas de lui demander les cinq livres qu'il devrait uh, uh, recommander. En yeah. plus yeah. De, de. The five des books. books. OK. Yeah. Le manuel yeah. du temple. There you go. So, there is quite a few books. Um, this is one that I found straight away. um but i will so if anybody uh, wants more of these books and some of the books that i presented today um, i will send them a uh, copy of these books let me just quickly go into acrobat there we go i can give you a copy send you a copy of these books uh, simply inbox me um on when you, say, when you say when you say to send copies you're going to send copies of the actual book Oh, no, 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 no. All right. <laughs> I'll send you the PDF uh, copies of these Perfect. books. Perfect. Um, um, if you are French speaking, uh, just DM me, Liver. I believe that's how you pronounce it. Um, or if you're English speaking, just DM me, Book. Um, and I will send you a copy of um, everything that has been presented today, um, especially uh, Jan Asman's. Um, Solar, I think it's called Solar Religion. Um, it's a very, very good book. And it has the central doctrine of Kemetic uh, theology in there, uh, which is the cult theological uh, treaties, which I've literally been going through, hammering every single point. Um, so over here is uh, Lemanuel du Temple. I believe it's just a portion of uh, the, the uh, Book of Temple. That basically okay. tells you. In French, yes. So, in as, French. so as you are sliding up and down, donc euh, la famille, donc, voilà en français le manuel du temple. Alors euh, le frère il dit que si vous êtes intéressé, il ne va pas vous envoyer une copie du livre, c'est ce que je voulais qu'il précise. Il dit que il peut vous envoyer des PDF. Donc euh, j'imagine qu'il va donner son numéro de téléphone ici à la fin de cette émission et que si vous envoyez en texto vous, vous, vous mettez book. Donc B, B2OK, il va vous envoyer le PDF en anglais, mais si vous écrivez en français livre, il va comprendre que vous voulez la copie en version française, et donc il va vous envoyer le PDF en langue française alors ce qui est important c'est que il a également parlé du bouquin de Yann Asmin Solar Religion la religion solaire qui est justement un, un livre qui est basé sur la doctrine centrale de Kemet euh, chose qu'il a traité ce soir euh, ce sont des choses qui éventuellement il pourrait vous envoyer en PDF j'espère so. que frère là euh, tu vas faire en sorte que tes, tes sources là soient bonnes parce que si c'est pour nous ramener du Gérald massi, pour encore nous ramener du Blavatsky je ne sais pas quoi attention <laughs> so brother you just have to be uh, cautious because you know we don't want you to send us uh, some nonsense some nonsensical non uh, non uh, things because we really want you to be you know giving us the truth and nothing else that's it so again um, <laughs> dm me um, on my instagram which is uh, kalam L could you could you show us on the screen please Yeah, donc, euh, plutôt qu'il qu le dise et qu'on ouais, euh, qu écrive bien. mal, euh, c'est mieux qu'il fasse un partage d'écran. Il exact. va vous montrer sa page Insta... enfin, son Instagram. Ouais. Et donc, euh, vous, le, vous lui envoyez un message en DM et vous écrivez soit livre en français et il comprendra qu'il faut qu'il vous donne un PDF en français, ou vous mettez book B2OK à ce moment-là, il vous enverra les PDF en anglais et vous aurez accès à toutes ces informations. Donc pour ceux qui veulent le suivre, il a fait beaucoup de débats, euh, notamment avec euh, toutes sortes de religions, chrétiennes, musulmans. Euh, vraiment il débat bien. Donc euh, ceux qui sont intéressés par les débats, qui comprennent un peu l'anglais, c'est intéressant de voir surtout les arguments des autres, donc les arguments des musulmans contre, les, contre les, 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 les kémites, voir aussi ce que répondent les kémites. Comme il y a beaucoup de débats là-bas, ce qui fait que bah, les gens, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, ils maîtrisent, parce qu'à force de débattre, ils connaissent nos points faibles, ils connaissent nos arguments et vice-versa. Donc ce qui fait que les débats ont un autre... Euh, ont un autre poids et je n'ai jamais vu des débats comme ça euh, ailleurs parce que des deux côtés alors que ce soit des côtés du chréti des chrétiens ou des musulmans ou des jeunes spots peu importe ils ont quand même du lourd ils en voient vraiment vraiment du lourd ils ont de quoi déstabiliser parce qu'à force de débattre à force de débattre voilà ils, voilà c'est pas, euh, pas des amateurs et c'est bien d'avoir ces arguments là parce que bah, du coup demain lorsque vous êtes attaqué vous aurez une plus large euh, euh, palette d'armes to defend It's interesting. well, I was just, uh, you know, uh, talking to our people, explaining to them about the importance of the information given tonight, specifically the fact that uh, at the speaker's corner, uh, the debates are, as you said, you know, hot and dicey. And uh, uh, on both sides of the argument, you've got those who are, uh, you know, in favor or against they all come up with some, you know, serious stuff, and then uh, so Brother Mobali Makasi was just, you know, talking to our people during the time that you were looking for your Instagram. If you're ready to share your screen so that people can see your Instagram, please. Yep. So, yeah, right over here is the Instagram. So, if you wanted to find me, it's oopsies. Yep, yeah, it's Kalam L. Um, uh, je vois pas, Je vois pas. So so, I I think you didn't do the screen the, ah, the bon, sharing. Ah, c'est bon, okay. bon. Okay. Perfect. So, yeah, right there. So, Kalam L, K A L A M underscore E L. And you'll find, basically find me there. Um, yeah, you basically find me there. Um, and then, of course, we also have. Uh, the, uh, YouTube. the YouTube, which is yeah. uh, Titon TV. Yep. Uh, Excellent. Uh, Titan TV. <laughs> Titan TV. <laughs> yeah. So, over here, um, so you can get all your debates, um, you know, Muslim, Jewish uh, debates, Christians, uh, comedic debates, all sorts, the live stream discussions that we have as well, uh, speakers' corner content as well. Um, and, of course, the conscious community where I actually interview. Um, you know, it's pretty much like uh, Mobali, but not as good as Mobali. Oh, <laughs> <laughs> um, Where I do interview uh, quite a lot of people with inside of the conscious community from Tariq Nasheed, Professor Griff, uh, Brother Polite, Queen Afua, uh, Zaza Ali, uh, the late, great Reno uh, Renoka Rashidi, uh, Anthony Browder as well. Um, so yeah, you can just go on there if you want to see some more stuff with me doing comedic stuff. It's all on there as well. Um, uh, I've taken a back seat um, from actually producing content on my channel as as I used to. Um, I've I've just been a bit disenfranchised uh, in producing content for the conscious community. But of course, I have to give thanks to Brother Mumbali. Um, and his team for actually me getting me back on doing content. Wow! And <laughs> <I laughs> let, <me, laughs> <I laughs> let me shout out as well to, <laughs> to um, you know I have uh, my French friend. I I won't even say her. I'll say her name is Eloisa Amaral. Um, you know Congolese lady that actually put me on. And kind of kicked me up the ass to say, I need to be producing content uh, for the French speaking world as well. Et elle est correcte. Et je suis très sûr que nous allons vous retrouver de nouveau sur ce channel quand nos gens vont vous voter. laissez-moi juste traduire ça. Donc, la famille, le frère Kalam uh, dit ceci que, euh, voilà, il vous a parlé de son Instagram. Vous pouvez le faire, euh, lui faire un DM, donc un message, euh, voilà, et puis il pourra répondre. Il a également présenté son, sa page YouTube qui est Titan TV. Euh, alors, il dit il ne fait pas aussi bien que Mobali Makassi. En termes d'interview, mais à sa modeste manière, donc il a interviewé des personnages comme Runo Korashidi, uh, Anthony Browder, who came to this channel by the way, uh, brother Tariq Nasheed, Queen, Queen Afua, who we invited, she accepted, and two days before the interview, she canceled for some reason. Uh, uh, so, uh, donc le frère, il fait, il, fait, il fait tout ça, mais il a donné un message super important ici, c'est qu'il était découragé ayant produit pendant un long moment euh, du contenu pour la communauté. Euh, parfois, il se, en fait, il s'est lassé parce qu'il voilà, est déçu de plusieurs choses. Pas de retour. Mais, il, mais, mais de voilà, il n'y a, a pas de reconnaissance. Je exactement. connais ça. Je connais ça. Mobali Makasi knows the disenfranchisement. He knows, he understands this. Alors ce qui se fait que c'est la rencontre avec Mobali, Mobali Makasi qui lui a redonné du courage pour pouvoir reprendre et commencer à faire du contenu encore. Donc, euh, euh, il a également une amie congolaise francophone qui lui a dit, écoute, il faut absolument que tu te remettes et que tu fasses du contenu pour le monde francophone. Et il se fait que le fait que Mobali Makasi, justement, euh, lui a donné un petit coup dans le derrière pour qu'il se relève, donc euh, je pense que ça va le faire. Voilà. Excellent. Et frère, je t'invite euh, au mois de février. Non seulement au mois de février, mais au mois d'avril aussi, s'il te plaît, si tu peux venir à, à les, aux deux conférences que je suis en train de mettre en place. Alors, la première, on parlera de l'intelligence artificielle et on parlera aussi euh, du couple révolutionnaire avec le frère Marshall et euh, l'équipe montou Mais la deuxième a un lien avec ce que tu viens de faire, là. Ça veut dire que le fait de pouvoir réparer euh, toutes ces casseroles, toutes ces choses qui ne sont pas chimiques et qui traînent. Donc, là, il y a une conférence qui s'appelle euh, La Deuxième Guerre Mentale. Parce que la première, c'est lorsqu'on, apparemment, on est sorti de l'aliénation, mais ce qui nous a désaliénés est aussi aliénant. Donc, c'est la deuxième guerre mentale, il faut tout réparer. Donc, ce sont toutes ces choses qui glissent dans le kémitisme, l'arbre de vie, les fleurs de vie, la cabale, euh, toutes ces littératures euh, Blavatsky, New Age, ce que tu viens de dire, le yoga kémite, tout cela, on va remettre à plat, euh, on va détruire tout cela, une fois pour toutes, que les gens sachent que ce n'est pas. Euh, ancestral, ce n'est même pas africain, euh, et qu'on n'a pas à faire ça en tant que kémite, tout simplement. Donc, euh, j'espère que frère, tu seras là, ça sera en français, mais tu feras comme le frère Marshall, il a pris son téléphone, il a mis le truc en traduction Google, et ça, ça mettait en anglais à chaque fois, comme ça, il comprenait. Donc, euh, tu feras pareil. <laughs> voilà mmh. ce que je voulais dire avant qu'on se quitte. So, before we leave, so brother, uh, I would like to extend my appreciation but also uh, invite you to our two upcoming conferences. Uh, there's going to be one talking about uh, artificial intelligence, but also talking about the revolutionary couple. This is a, a topic that will be uh, taken by brother Leon Marshall that I mentioned to you before. And then there'll be another conference that is going to be uh, on the second mental war uh, the second mental war is uh, the one that we're going through now with the, the fake chemetic uh, whatever and then the first uh, mental war uh, the first mental war is the one when you leave your, your alienation from christianity and then you start to become conscious so i'm uh, inviting you on those events because we see a lot of things about Kemetic yoga, about new age, and all the things that we talked about. And it's really. Uh a good opportunity to meet up, and you will be forced to do like brother Leon Marshall did. He came and he had his phone and he had his Google Translate so that every time that things were say, uh, said, his uh, phone will pick it up and then translate. Uh, so that's something that we would like you to be coming. Mobali, n'oublie pas les cinq bouquins. Les cinq livres, uh, les cinq livres. Yeah. So um, the question is. You are the last person to help the black civilization survive, and you need to recommend the five books that uh, our people need to read so that uh, our civilization doesn't disappear. So, what are those five books that we should be reading that you recommend? Oh. Mm. <laughs> <laughs> okay, damn, damn, damn. Okay. This is a tough one. This is a very tough one. Ah, um, oui. and they have got them on screen so that people can see et it. S'il te that, plaît, that, ne me sors pas les Témoins de Jéhovah, le Coran et la Bible. <laughs> ne so me so sors please, Ça please. déjà je veux pas en entendre parler. <laughs> so there are three books that you cannot mention, uh, the Bible, the Quran and uh, whatever other books about those uh, Abrahamic uh, religions so you should mention those books. <laughs> uh, okay. No pas problem. Maintenant. Okay. Um so let me start off based upon my value system, okay. I would say first of all, let's start with categories, okay? So I would go first of all economics, secondly relationship/family, politics. Um Let's see. Let's start with those three. Okay. So Book on economics or business. What book would I recommend? I said earlier on, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. That changed my life. So I'll couple Rich Dad Poor Dad with Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Those two. Then I will move on to Understanding Human Nature. I will go with. Evolutionary Psychology by Dr. David Buss. Mm -hmm. um, fourth book. Mm -hmm. My Teacher. Mm -hmm. It has to be um, Towards Bicultural Competence by Dr. Gloria Gordon. Pourquoi? Why? This book right here. Um I think I think it, it single-handedly changed my perspective to not be emotional, not to hate any other groups and take responsibility for myself and for my community, and to create a culture for myself and my family, to be progressive members in society. Hmm. So it allowed me to remove the hate and understand that um, white people are going through a problem. How can I put it? White people have been indoctrinated to becoming white and to having a certain ideology and a certain identity. And white people and black people are suffering at the same time as well. And to look at people beyond race um, or beyond ethnicity, and kind of understand them on a human level, to understand that we are all humans. So a lot of the pro-black teachings I tend tends to have, I don't know, it tends to have racial elements, and it makes you hate other groups of people. It will make you hate religious people, and it will make you hate um, non-black people. And I think this book here helped me to. Understand that we're all suffering as humanity, and as humanity, we should kind of come down on a humanity level to help other groups of people in order to help ourselves. So, I would definitely recommend um Gloria Gordon towards bicultural. celui il va me fragiliser. Je ne pas le lire. Je veux rester comme in saying that, Again, um, before anybody gets it twisted, Black Power, baby, Black Power. Yeah, just to let you know. Yeah. And um, <laughs> so, my fifth book, um, do you know what? I studied, I don't know the name of the book, but I studied a book on eugenics. And that might be a very crazy topic to think about eugenics, because we usually hear it from a, a racial perspective. Um, but just the just the, the meaning of the word of good birth or breeding breeding for superiority, and I personally think that if you have been influenced in a positive way with your own culture, with your own identity, and you have self love, and you want to choose a partner that will reflect you, and have children that will reflect you. You need to understand um, relationships and you need to understand ah, the, the 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 prolongation of the gene pool. Um, but let me know. Let me take that away. Let me take that away. Because I want to be, <laughs> let me give you something very simple and easy. Hussia. There you go. Hussia. Um, by Molana Karenga. Hussia. Okay. Yeah. All right. Bon, regarde, tu peux libérer déjà le frère. Comme ça fait longtemps qu'on est là, le pauvre, ça fait, on a fait des balances, ça fait plus de, je sais pas combien de temps qu'on est là. C'est vrai qu'il est gentil, Mais on va le libérer comme ça. Nous, on va traduire, on va se quitter. Yes so brother rather than keeping you like here you know we will let you go so that I'll, I'll keep on translating for the rest of our people so really thank you thank you for your precious time and thank you for everything we know that our brothers and sisters will be contacting you through DM and then uh, hopefully you'll be you know sending them the PDFs and uh, we're just thanking you in our culture we say matondo which means thank you so we just hope that you're going to say matondo in return matondo Thank Excellent. you. Thank you. And thank you. And in you. So, well, I want to just extend that if you have anybody in the UK that needs to um, come on to your show, I will extend my studio space uh, to them as well. Because I know a lot of the times there is problems with the lighting, there's problems with the cameras, there's problems with the audio and the setup and so forth. So if anybody needs uh, a space to actually um, come onto your channel, you know, my studio is definitely open for them. Excellent. Brilliant, 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 brilliant. Donc, euh, le frère disait qu'en fait, euh, il, euh, il tend la main en disant que, voilà, s'il y a des frères et sœurs qui doivent venir chez Mobile Makasi, mais ils ont des problèmes de studio, euh, problèmes d'éclairage, problèmes de caméra, problèmes de ci, ça, 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 il met sa, son, son installation à la disposition de la communauté pour que, lorsque on vient... Chez Bali, Makassi, on est charismatique. Voilà, c'est ce que Excellent. le frère disait. Au <laughs> <laughs> peace and love. Au tap, au tap, au tap. Au tap, au, type, type, au, au, type, type, au type, Excellent. Bon, mais mon Donc, ami, euh, il a fait le job. Bien, je traduis ou bien ça le fait Oui, non, mais traduis, frère. En, traduis en ah. boucle, Ok, d'accord, d'accord. Donc, en fait, super. Donc, le frère, en fait, a mis plusieurs catégories. Il a commencé par la catégorie économie. Et là-dedans, il a parlé de deux bouquins classiques. C'est... Père, père riche, Père pauvre, rich, rich Dad, Poor Dad, The Guy Kawasaki. Et puis il a également parlé de Napoleon Hill, Thinking, Grow Rich. Uh, ces deux bouquins, vous allez juste taper Thinking and Grow Rich et vous allez voir que ça apparaît. Et puis... Il a parlé d'une une seconde, caté seconde catégorie qui est plutôt basée sur les relations, la famille. Euh, euh, il a parlé d'un bouquin d'un monsieur qui s'appelle David Boss, qui s'appelle Evolutionary Psychology. Euh, il a également parlé du bouquin de Gloria Gordon, Tow Towards Bicultural Competence. C'est le bouquin dont Mobali Makasi a dit que ça le rendrait fragile. Euh, C'est en fait un bouquin dans lequel, euh, en, en gros, euh, euh, c'est un, un bouquin qui lui a appris à ne pas, avoir, à ne pas être euh, haineux et donc euh, c'est vraiment un, un bouquin dans lequel euh, on apprend que les blancs on les a programmés de se comporter comme des blancs et comme conséquence de cette manière de voir le monde eh bien non seulement les noirs souffrent mais les, blancs, mais les Blancs souffrent, souffrent aussi. Et qu'en fait, c'est un, un, un bouquin qui apprend que, en fait, on, on est tous humains et qu'il y a... On est tous pareils. Tout le monde souffre. Tout le monde voilà. est en problème. Ce n'est pas de leur <laughs> faute, c'est un problème humain. Ah non, moi j'ai... Je... <laughs> on est peut-être est... tous humains, mais on ne souffre pas pareil. Il y a une catégorie Correct. de personnes qu'on appelle les noirs qui souffrent le plus. Je suis d'accord avec toi. À voilà. Il en a profité pour glisser son Black Power. Et <laughs> puis, il a également parlé d'un autre bouquin dont il ne se rappelle pas de titre. Et puis, il a dit non, non, on va enlever ça. Et puis, il a terminé par le bouquin de Molana Karenga Usia. Voilà. Excellent. En tout cas, T-Boy, vraiment, je te, du fond de cœur, c'est pas parce que c'est la vidéo, je te le dis vraiment honnêtement. Merci, frère. Merci, merci, merci euh, d'avoir pris ton temps parce que je sais qu'en ce moment-là, il y a des diplômes en cours, il y a plein de choses. Tu es en, en, plein, de, en plein travail. Euh, cette émission a failli être annulée parce que bah, toi, tu as tes, tes cours et il y a plein de choses et puis euh, tu avais besoin aussi de rester avec la famille. Mais pour la cause, euh, tu as mis ça de côté. Et euh, tu as remis le, les gants de boxe et tu es monté sur le ring Aché. malgré que tu as fait plein de, plein de matchs à côté. Tu te dis, bon, écoute, je sors à peine d'un du, match, bon, oui. c'est pas grave, je remets les gants, je remets le truc, laisse-moi m'essuyer un peu le front. Et on attaque une seconde, une seconde fois, là il est, il est déjà tard. Donc frère, vraiment merci pour ton investissement parce qu'à chaque fois que je t'ai appelé, même des fois c'était programmé à la va-vite, et tu ne m'as jamais mis en plan, tu as toujours répondu et euh, voilà je suis reconnaissant et je veux que la communauté le comprenne en fait que le touche. sacrifice que tu fais là ça, ça bénéficie à tout le monde le fait que tu ne passes pas du temps avec ta famille tes, tes enfants et euh, venir ici là pour pouvoir traduire euh, je tenais quand même à te dire merci pour ça, ça et en plus je ne te paye pas <laughs> Ça me touche, frère, et on n'est pas, pour... pas. pas là pour le salaire, quoi que ce soit. Mais effectivement, <laughs> la famille devrait savoir que, voilà, académiquement, je suis dans une maîtrise et ça prend énormément de temps. Et comme je disais au frère Mobali Makassi, j'ai terminé un examen hier. J'étais tellement mort, fatigué que je suis rentré à la maison après l'examen. Je suis allé, je me suis couché, j'ai dormi et je suis fatigué parce que je, je me lève tôt pour euh, étudier. Et quand mon frère m'a appelé, je lui ai dit Écoute, c'est le combat, on va le faire et c'est ce que j'ai accepté de faire. Et c'est un réel plaisir de passer du temps avec euh, la famille. Et la famille, n'oubliez pas que vous avez des bouquins, nous avons des bouquins en langue française et on n'a pas d'excuse. Voilà. C'est vrai. Cette émission était quand même importante. C'est vrai que. Beaucoup de personnes peuvent penser que quand je parle, parce que comme les gens sont très émotionnels, donc ils vont écouter. Mais comment ça se fait, Mobali, tu craches dans la soupe, tu es Kémy, tu n'es plus Kémy. Non, non, ça n'a rien à voir. Je suis Kémy, euh, mais j'aime, je voudrais que les choses se fassent. Euh, comment je peux dire ça De manière propre. Tu vois Qu'on soit, qu'on soit exemplaire dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas critiquer, parce que c'est ce ça que le problème. Que, et moi, j'en faisais partie. Je fais partie des gens qui critiquaient les autres en disant Ouais, ce sont des aliénés, euh, nous, les kémites, ceci, que cela, que cela. Et quand tu regardes, ben, la plupart des choses, même qui nous ont désaliénés, sont, je vous le dis, pour la plupart des choses, sont erronées, en fait. C'est beau à entendre Oui, les noirs, les noirs, les machins, trucs, mais lorsqu'on regarde les documents, c'est quand même assez nuancé. Et ça, personne ne va vous le dire, en fait. Donc, ça ne nous rend pas service. Ça ne nous, nous rend pas service. Donc, il faut, il, faut, il faut tout revoir. Il faut avoir le courage de critiquer ce qu'il y a pour qu'on puisse reconstruire tout cela sur des bonnes bases. Et notamment sur cette, cette question de la prêtrise qui n'est pas très très claire, vu que ce n'est pas légiféré. Donc, n'importe quel zingwangouin, une fois qu'il a lu Blavatsky, une fois qu'il a lu toute cette documentation de la Rose-Croix, où les phrases sont bien formulées, on vous parle énergétique, tout ce français compliqué là que vous aimez, une fois que quelqu'un se met en mode prêtre, qu'il a un nom égyptien, il bavarde, il bavarde, vous avalez. Vous avalez. Et c'est ça le problème. Et vous vous rendez pas compte que tout ce qui vient de dire, c'est juste de la maçonnerie, c'est de la rose de croix, c'est des new age, c'est des conneries de chakra et des, tout ça qui n'est même pas africain, et vous avalez. Donc ça sert à quoi de se dire conscient si c'est pour être conscient sur des conneries Si on est conscient, c'est qu'on est conscient. Mais on n'est pas conscient, euh, conscient zombie. Non, on est conscient, on est conscient. On ne doit pas avaler n'importe quoi parce que les phrases sont belles, parce que ça sonne bien, parce que c'est pinéal, parce que je ne sais pas quoi. Donc, toutes ces choses, on sont à déconstruire, c'est à jeter à la poubelle et qu'on repart sur les textes. Que disent les textes C'est ce que je voulais dire. Je voulais retomber sur ça. Le frère l'a répété plusieurs fois. C'est n'est pas se, se fier à ce que ton cœur veut ou ce que tes mains fabriquent, mais ce que les écrits disent. C'est ça, tout simplement. Donc, il euh, y a une conférence qui, qui va dans ce sens. Alors, on a fait la première partie euh, de la guerre mentale, mais comme c'était tellement long, et là, euh, avec l'air du verso, euh, tout cela, toutes ces conneries-là, euh, il, faut, il faut casser tout cela. Donc, je reviens, ça sera en avril, je peux vous le dire déjà, c'est en avril, cette conférence. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut vraiment, vraiment être là. Ça sera l'occasion pour vous d'avoir une très très bonne culture générale dans l'occultisme occidental parce que cette, cette culture générale, c'est ça qui nous manque, c'est ça en tout cas qui vous manque du coup. Parce que moi, du coup, euh, je suis plus concerné, on peut plus me la faire. Mais pour beaucoup, c'est ça qui vous manque, c'est pour ça que vous vous laissez impressionner par ces des, 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 euh, des, 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 des bêtises comme ça et vous, vous faites carotte à chaque fois. Donc, euh, cette conférence elle est vraiment nécessaire elle est vraiment nécessaire, donc je vous invite, dès que je vais faire l'affiche officielle que ça va être, que les places vont, on pourra les acheter en ligne, vous, euh, réservez votre place, parce que je peux vous dire déjà que ça sera blindé, et après, il ne faudrait pas se plaindre en me disant, mon Bali, euh, j'ai pas eu ma place, patati patata. T-Boy toi, tu dois Aché. venir déjà en février. Donc, je le dis là, comme ça, c'est enregistré. enregistré. Tout le monde te le dit. Tu viens en février. Oui, je viens en février. <laughs> Effectivement, voilà. je viens comme ça, on voit la famille. Voilà. Donc, les gens qui vont venir pour la conférence avec euh, Marshall, qui sera en février, vous, vous allez voir votre frère T-Boy, que vous n'avez jamais vu en vrai. Vous aurez l'occasion de le voir. J'espère vraiment, vraiment qu'il fera le nécessaire, parce que je sais qu'il est très, We très will. occupé. Mais, alors, comme c'est un frère de parole, techniquement, s'il me dit oui, c'est que. Oh, il, ouais, ouais, et, ouais, ouais, ouais. le 24 là. on vient donc il euh, y aura quand même pas mal de monde donc euh, dès que c'est officiel les amis vous prenez vos places vous venez et oui. après en avril les amis on vient pour du lourd ça sera du archi lourd beaucoup de gens vont me détester mais hein, au point où on en est j'en ai plus rien à cirer <laughs> d'accord j'en ai... ai plus rien à de toutes les façons c'est quand tout le monde t'aime qu'il y a un souci à partir du moment où tu as des ennemis ça veut dire que tu es dans la bonne voie si tout le monde t'aime, c'est pas normal. C est, c est pas normal. Si il y a des y gens y a... qui disent du mal de toi, qui, qui disent que mon bali il choque, il me ça veut dire que là tu es bon. Ça veut dire que tu commences à toucher là où il faut toucher. Moi, je veux pas quand même. <laughs> je veux pas quand même. Moi, ça, je veux juste veux dire, dire la vérité. Et comme la vérité, elle blesse, eh ben, c'est là où ça m'intéresse. <laughs> voilà. Merci. Bon, T-Boy, je te Mes Mais frère, toi, je ne sais pas comment tu fais. Tu as le visage sans bouton, sans cicatrice, sans un poil. Je ne sais pas comment tu fais, frère. Mais tu, tu es. Il y a des gens, ils vieillissent et toi, tu rajeunis. <laughs> C'est-à-dire que ta vie, c'est à l'envers. Il y a un film comme ça que j'ai vu, je pense, avec Brad Pitt. Il, 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 il naît vieux et il finit jeune. Est, il, il est à l'envers. Toi, tu es comme ça. Ma dulcinée m'a dit la même chose. C'est vrai Elle m'a dit la même chose. Il y a des choses que je ne peux pas encore dire. Je ne peux pas encore dire, s'il te plaît. Au moment opportun, je dirai des choses. Ah, frère, je parce que moi je... moi, non, non, je te non. regarde, moi j'ai l'impression que frère, en fait, oui. moi je suis en train de prendre un coup et que toi tu es en train de rajeunir. Alors je sais pas c'est quoi ton secret, mais frère, moi je vais t'appeler. Hein. Faut je que tu me si... dises ce que tu bouffes, ce que tu fais. Je parce que frère, t'as si une là. peau. C'est pas, pas une peau, si... c'est des fesses frère. de bébé. Tu as pris des fesses <laughs> de bébé, tu te les mis au visage. Ça veut qu'il n'y a pas de. Il <laughs> a rien. Je ne sais <laughs> pas Mais écoute, je ne dis rien, mais au moment opportun, il y aura des choses à dire, effectivement. Ok, Vous mais ça a l'air de marcher. En fait, euh, voilà, il sait. Ouais. Je rien. Voilà. <laughs> ça a l'air de marcher. Je sais pas, frère, si c'est du botox, <laughs> je ne sais pas est... Qu est ce que tu oh, te fais comme pas, non, injection. Non non, 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 non. Non, non, non. Non, qu'est-ce que c'est C'est naturel. C'est des nutriments naturel. naturels. Non, mais naturel. ça se voit, frère. Ça se voit. Moi, comme comme, comme le frère Androbe disait, que ce qui rentre. Enfin, que ce que tu mets sur le visage, sur ton corps, que tu puisses le manger. C'est dans ce sens-là. Mais je ne dis pas plus. Voilà. Ok, frère. Voilà. Tu me mais diras. Au moment qu opportun, quand il euh, y a des lancements, on, on, on dira. Ok, mais bon, je te le dis déjà. Je sais pas ce oui. que tu fous, frère, mais ça marche. Parce que moi, je te vois, frère, je vois que tu es éclatant. <laughs> tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, la caméra, normalement, elle est censée te trahir. Hein. Euh, mais d'ailleurs. Ouais. <laughs> mais voilà, c'est du bon. J'ai envie de l'appeler. Bon, frère, sur ce, merci à toi. Vraiment, encore Grand merci. Plaisir, frère. Et on se quitte avec un générique tout à à simplement. Au la famille. Au tête à maman Bakuma. Un moment, repose-toi bien, frère Amos. Toute la famille là, on se retrouve. On est ensemble. On se quitte Maintenant avec un générique parce que je suis un professionnel. Au TEP. Au tep.